Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour parler de football européen. On va parler Ligue des Champions. Quelle soirée de Ligue des Champions aujourd'hui avec la victoire du RC Lens face à Arsenal. On va parler également de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Napoli. On a une soirée de fou furieux. On est très content de pouvoir la débriefer avec vous. C'est ça le Club des 5. C'est les débriefs de ces soirées-là et on est très très content d'être là. À côté de moi, Sami Mojtabi. Bonsoir Romain. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir aux socios, bah, ça va très bien. Franchement, c'est un plaisir hein, de débriefer ce genre de soirée. Tu connais mon affection pour la Ligue 1 et bien sûr le football français. Donc quand un club français gagne en Ligue des Champions, la compétition reine dans le football européen, bah, forcément je suis heureux. Ben ouais. Et puis en plus, on n'a pas forcément eu des soirées européennes françaises super glorieuses ces dernières années, notamment en phase de poule quand ce n'était pas le Paris Saint-Germain. C'est vrai. Donc ouais, voilà, c'est une soirée cool, quoi. C'est un soir ça va être d'octobre. Non, mais ça va être une bonne année. Ah, c'est cool. Ça va être une bonne année. Ouais, on l'espère. Dominique Baïf, bonsoir. Salut Romain, Samy, Elton. Comment ça va ? Bah, très bien. Comme l'a dit Samy, on a passé une bonne soirée. On a vu du spectacle, des buts. Un beau scénario pour les Lensois et un bon match aussi du côté de Naples. Ouais. Donc, une bonne soirée pour se régaler. Ouais, ça va être cool. Il y a déjà des vannes sur le chat. L'APL qui peut trembler devant la Farmers League, etc. On va y revenir, ça va être cool, ça va être bien. Elton Mokolo, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Franchement, j'ai passé une très bonne soirée. Ouais. Là, c'est cool. Non, j'ai vraiment le sentiment que ma Ligue des Champions, saison 2023-2024, est lancée ce soir. Ouais, parce que la première journée, c'était pas ouf. Hein. La première journée, c'était bien, piano, mais c'était pas non plus. Il y avait des victoires, mais c'était... Là, pour le coup, on a eu des très belles choses. Pas seulement à Lens, mais aussi dans les autres stades européens. Ouais. On a vu quelques images de certains matchs, des buts par-ci par-là, etc. Mais on s'est pas encore plongé dans les matchs. Mais il y a des matchs, le Manchester United. Je te cache pas que quand on va finir l'émission, que je vais rentrer à la maison, je vais me poster, je vais prendre 2-3 croissants et je vais aller sur Manchester United Galatasaray. Ouais, ça va être. Il y a moyen que ça soit sympa à regarder. Voilà, ça peut être cool. Puis le Séville PSV aussi, scénario PSV. Bref, ça va être cool. Les socios, bonsoir. On est très heureux. On est vraiment très content d'être avec vous. Il y en a qui arrivent au fur et à mesure sur YouTube. Merci de votre fidélité. On sait que vous avez perdu un peu le réflexe de venir sur le Club des 5, c'est normal, on n'était pas là pendant longtemps. Donc merci à ceux qui sont les vrais des vrais et qui reviennent pour les débriefs du Club des 5. Merci à ceux qui sont sur Twitch, il y a Melicus notamment qui nous dit « Najim Medini, t'es où ?» Najim Medini, il est à Bollard. Donc à un moment, Najim Medini, chat noir ultime. Il est allé voir deux fois Arsenal dans sa vie, il est fan d'Arsenal. Il est allé voir l'année dernière. Arsenal-Brighton. Saison historique d'Arsenal, Arsenal-Brighton. 3-0. Il prend 3 heures à l'Emirates et là... On lui avait dit ce soir, ça perd. Ouais, on lui a dit, on lui a répété. Voilà, on lui a même dit à 20h45, fait, t'as encore une chance d'aller à Arras et de passer une bonne soirée. Il a voulu rester au stade. Bon, il fait, ok. On lui avait dit après le but de Gabi Jesus, non, ne célèbre pas trop. Parce qu'il nous a envoyé une photo où il est comme ça. Hein. Il fait ça. C'est l'escroc. Un peu les yeux raccrochés aussi. Voilà. Donc les socios, merci à tous ceux qui sont là en live. Merci à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Je vois, il y a Twitch. Hein. Il y a Twitch, il y a ceux qui sont là sur Twitch. Il y a ceux qui nous regardent aussi en replay sur YouTube. Il y a tous ceux qui nous écoutent en podcast. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui nous laissent des appréciations à chaque fois. On est très heureux. Merci à tous ceux qui sont sur... Les différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles. Vous en mettez 5 de préférence, ça peut être pas mal. Vous nous mettez les petites étoiles. Si vous êtes abonné sur Spotify, allez voir un peu sur Deezer, sur Apple, etc. Et mettez 5 étoiles ici. Puis comme ça, vous votez 3 fois, ça nous aide énormément. Programme de l'émission ? Allez, on rentre directement dans le débrief. On va démarrer par cette victoire, cette sensation, la victoire du RC Lens. On va faire une grosse partie sur le RC Lens des 100 et or renversant. La saison du RC Lens est complètement lancée. On peut se le dire maintenant, elle avait peut-être démarré à Séville. Ça a peut-être été un déclic, cette Ligue des Champions. Depuis, il y a deux victoires pour le RC Lens de suite en Ligue 1 et celle-là
retentissante contre Arsenal. On a retrouvé le RC Lens de l'année dernière, donc c'est cool. On va pouvoir parler des choix de Francaise, de certaines performances individuelles. Ça va être sympa. On va parler aussi un petit peu d'Arsenal. On va se demander si c'est inquiétant avant Manchester City. La gestion de ce match par Mikel Arteta, la gestion des individualités, la gestion collective, ça va être intéressant. Et puis on va pas faire très très long sur Arsenal parce que il y a Arsenal Manchester City dimanche et on fait émission dimanche, donc on débriefera ce match-là à ce moment-là. Ensuite, on parlera de l'autre affiche de la soirée, Naples-Real Madrid avec la victoire des Merengues, 3-2 au stade Diego Armando Maradona, des Merengues écœurants, ouais, c'est des Merengues très madrilènes en Ligue des Champions en fait, hein, finalement, avec encore un grand Bellingham, encore un bon Vinicius et un très bon Tchouaméni. On parlera du français dans cette émission et on parlera un petit peu du Napoli à ce moment-là. Et puis bien sûr, on terminera par notre séquence au tableau, sponsorisée par Winamax. Il y a un seul prono qui est rentré dans cette soirée, c'est Bibi. Voilà, je suis très content. C'est quoi? J'avais fait très safe, j'avais mis Braga ou nul à l'Union Berlin. Voilà, c'était passé tranquillement. Donc voilà. Et on vous donnera bien sûr nos pronos pour la soirée de Ligue des Champions demain. On démarre par Lens, le RC Lens qui s'impose 2-1 donc face à cette équipe d'Arsenal, des sangs et or renversant. Parce que oui, Arsenal a ouvert le score à Bollaert. Arsenal a ouvert le score par Gabriel Jesus. C'était clinique. Une erreur de Lensoise, but. Et puis finalement, Thomasson, qui était à l'origine de l'erreur, se rectifie. Égalisation avant le but en seconde période. C'est une soirée parfaite, parce qu'on parlera aussi des autres résultats dans la soirée. Mais franchement, si on devait écrire un scénario pour le Arsenal, ça aurait été pile celui-là. Ah bah oui, c'est une soirée parfaite entre ce qui s'est passé à Bollaert, ce qui s'est passé du côté d'Eindhoven avec un but égalisateur pour le PSV à 95e minute qui fait que Séville ne prend pas le maximum de points, ni le PSV d'ailleurs. Et donc par rapport à ça, t'as quand même 4 points, t'es premier de ta poule. C'était pas la chose à laquelle on avait envisagé lors du tirage au sort. Bon, même si encore une fois, moi je partais du principe que Lens pouvait jouer la qualification. Maintenant, pour revenir sur le déroulé de la soirée, c'est sûr qu'on a été sur les ingrédients de la Ligue des Champions, à savoir un rapport de force qui s'est dessiné entre deux équipes. Et Lens, à l'instar de ce qu'ils ont fait la saison dernière, moi je pense que Lens, ils ont une qualité qu'on pourra pas leur enlever. Ils n'ont pas une capacité à se mettre à niveau sur les gros matchs. Ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur ADN. Je vous rappelle que la saison dernière, sur le mini-championnat, dans le top 4 de la Ligue 1, ils terminent premier, et quand même aisément, même si encore une fois, il y avait eu la défaite face au PSG. Donc, dans moi, les conditions qu'on connaît avec le carton rouge. Et évidemment. Ça. Donc moi, je me disais que face à Arsenal, oui, c'est Arsenal, oui, c'est deuxième de Première Ligue l'année dernière, mais ils n'allaient pas attaquer le match en se disant on est dans une configuration petit poussé. Ils allaient attaquer le match fidèle à eux-mêmes. Alors oui, il y a une erreur notamment de Thomasson qui aboutit au but de Gabi Jesus, mais à partir du moment où on a vu les mêmes ingrédients, c'est-à-dire capacité à défendre en avançant, avec encore une fois, et encore une fois, on en parlera de manière très précise, la défense qui a été extraordinaire. À l'instar de ce que ils sont indissociables. Ils sont indissociables. Et bah, petit à petit, Lens a réussi à prendre la mesure d'Arsenal et Lens réussit à faire quelque chose qui est très important en Ligue des Champions. Marquer rapidement. Parce que là, réagir rapidement parce qu'avec des champions, c'est la compétition de la peur, c'est la compétition du momentum. Et le momentum de Lens, au moment où tu te dis Arsenal, bon, ils ont fait le plus dur, ouverture du score à l'extérieur, donc ils vont réussir notamment à dérouler leur jeu, arrive l'égalisation qui est consécutive à quoi? Qui est consécutive à une erreur de Raya. C'est-à-dire que Lens a forcé cette erreur parce qu'il y a un pressing, Raya, voilà, il est un peu trop confiant envers son jeu au pied et tout de suite ça s'enclenche. Après, petit à petit, tu vois que même s'il y a des occasions pour Arsenal en début de seconde période, t'as le sentiment que Lens peut aller faire cette chose-là. Et le deuxième but arrive avec Eliwoyi à l'issue d'un mouvement qui est typiquement lensois. À la fin, t'as aussi de la réussite avec notamment ce cafouillage de la surface, mais toujours est-il que Lens, par rapport à cette idée de répondre notamment à ce que demande de la Ligue des Champions, et ben ils ont été dans les clous et ils remportent une victoire qui est méritée. Attention Romain, à aucun moment, et j'insiste là-dessus, à aucun moment je vais parler d'exploit. C'est une performance. C'est une performance. Parce que exploit, ça voudrait dire qu'il y a une part de miraculeux un peu là-dedans. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont mis les ingrédients qui sont consécutifs à la Ligue des Champions. Et par rapport à ça, moi j'ai vu le Lens que j'ai vu notamment la saison dernière. Samy, c'est ça que j'ai l'impression qu'on retient le plus dans ce match-là. C'est qu'on a l'impression qu'il y a eu
une adaptation express au plus haut niveau européen. Alors, on parlera d'Arsenal, et c'est vrai qu'Arsenal n'est plus un cadre européen. Ça compte aussi, c'est pour ça aussi. Mais ça n'empêche que c'est une équipe qui a mis 84 points en Première Ligue l'année dernière, quoi, donc, qui a tenu la dragée haute à Manchester City pendant une très très longue partie de la saison. Mais c'est vrai que la capacité des Lensois à réagir vite, un peu comme à Séville, c'est quelque chose qui impressionne. Ça fait bien de le préciser, ça. Ils avaient déjà réagi après Séville. Oui, c'est vrai, surtout qu'en plus, à Séville, la dynamique n'était pas forcément positive. Le premier mois de compétition avait été compliqué. On pouvait craindre à un moment que voilà, Lens ne se relève pas de son excellente saison dernière. Ça s'est déjà vu dans le football. Ça s'est souvent vu d'ailleurs en France, où quand une petite équipe est petite, attention, Lens est un grand club, mais petite équipe à l'instant T, en termes de budget, d'effectifs, quand une équipe, on va dire, moindre réussit, performe, généralement, la seconde saison est plus compliquée. Il faut la digérer. On parle souvent de digérer son succès. Donc, on pouvait craindre une dynamique assez compliquée pour le RC Lens de Francaise. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, et qui a été enclenché notamment après le match nul obtenu à Séville, on retrouvait un peu ce Lens de l'année dernière, ce Lens qui comptait parmi les grands. Attention, on ne se préprend pas. Je vais pas non plus. Pour moi, Lens reste une équipe qui individuellement est encore en deçà de certains concurrents en Ligue 1, et notamment beaucoup aussi en Ligue des Champions, mais ils ont retrouvé les valeurs lensoises, parce que voilà, il y a des valeurs et des principes de jeu qui étaient peut-être un peu perdus lors du mois d'août, que l'on retrouve aujourd'hui: la solidarité, la rigueur tactique, le fait que aussi maintenant voilà, quand c'est la Ligue des Champions, on voit que les joueurs, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une concentration un petit peu plus élevée de la part des joueurs lensois. Ils sont peut-être plus concernés, mais ils se sont mis à niveau, ils se sont mis au diapason, et c'est ça aussi qui m'a plutôt marqué. Au bout de 14 minutes, il me semble, le premier but d'Arsenal, alors qu'en plus Lens était plutôt bien, était bien dans le match, ils ne dominaient pas, mais voilà, ils étaient dans le match, Arsenal avait la possession comme on pouvait l'imaginer, mais voilà, Lens en tout cas physiquement, je trouvais, répondait parfaitement dans l'esprit de cette rencontre. Voilà, c'est la Ligue des Champions, il faut mettre de l'intensité, il faut être bon dans les duels. Lens l'été, et donc ça va être un petit peu injuste, et se remettre de cette manière 9 minutes après, ça c'est 14 et 25 9 minutes après, et de quelle manière, et de quelle manière, c'est ça aussi, parce que le but, c'est une folie, on peut revenir sur la passe décisive, c'est quand même fou, c'est complètement en plus cocorico, parce que là c'est le talent français qui se, c'est beau que voilà, que la Ligue des Champions puisse voir un joueur que l'on connaît nous maintenant depuis deux saisons à bon niveau en Ligue 1, le voir confirmé sur la scène européenne. Les gens, je pense, certaines personnes en Europe le découvrent. Ouais. Un jeune de son âge à 20 ans qui avait eu des performances assez impressionnantes, des statistiques que seul Kylian Mbappé avait eu au même âge. Il avait même mieux fait que Benzema, par exemple, au même âge. Donc c'est quand même assez extraordinaire ce qu'avait fait Wally sous les couleurs de Montpellier. Là, il se montre, aux yeux de l'Europe. Le but est extraordinaire. La finition de Thomasson, elle est extraordinaire. Et c'est ça aussi, c'est que je trouve que c'est aussi symbolique, parce que Thomasson, pour moi, il représente cette équipe de Lens. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une star, on le connaît depuis longtemps, c'est un joueur qui a de grosses qualités, mais c'est vrai que Thomasson, c'est pas la star de la Ligue 1, c'est un bon joueur de Ligue 1, oui. Et je trouve que il représente cette équipe de Lens, qui n'est pas une équipe extraordinaire individuellement parlant, mais qui a le cœur, qui a les qualités pour réussir à ce niveau. Davantage qualité. Et voilà, et là on le voit ce soir, et je trouve que c'est une très belle chose pour le football français. Dominique, on a qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, l'aspect mental de réaction qui revient, parce que comme je disais, c'est pas un épiphénomène, c'était comme ça face à Séville, ou le fait que cette équipe là lensoise ait réussi, après ce début de saison compliqué, à remettre en place les préceptes qui étaient les siens la saison dernière, mais à l'échelle encore supérieure, face à un gros club, le plus gros club de sa poule. Ouais, c'est sa capacité à élever le niveau quand il le faut, alors qu'on sait très bien que sur ce début de saison, il y avait pas mal de questions, il y avait aussi pas mal de déceptions dans le jeu, dans l'état d'esprit aussi, et ça, Francaise l'avait déjà répété à maintes reprises. Et ce match déclic face à Séville, visiblement, leur a permis, j'ai envie de te dire, de se libérer, de peut-être mettre un petit peu de côté la pression de cette seconde place au classement, et maintenant d'assumer ce rôle qui est nouveau pour ce club-là, c'est de jouer les premiers rôles. Et ce match nul et cette réaction face au FC Séville, on l'a vu après en championnat. Alors, même si c'était face à Toulouse et Strasbourg, ce n'était pas non plus des grands cadors, mais ils ont fait le job et ils ont remporté ces matchs-là. Donc, ils ont engrangé la confiance. Et ils sont parvenus à arriver avant cette confrontation avec
voilà, ce surplus de on va dire, de pas d'orgueil, mais cette capacité à pouvoir répondre présent, à ne pas être considéré comme le petit poussé. Enfin, du moins, eux ne sont pas mis dans la peau du petit poussé en se disant, ouais, voilà, on va faire jouer égal avec cette formation-là. On est capable de le faire. On a les armes. On retrouve un petit peu notre allant de la saison dernière. Et le discours aussi du coach, pour moi, est déterminant là-dedans. C'est que, je crois qu'il l'avait dit dans l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de jouer les yeux dans les yeux avec Arsenal, même si on sait d'où l'on vient, même si on a peut-être des qualités individuelles inférieures. On a un collectif, on a un état d'esprit. Tu es porté aussi par un stade, par une ambiance, par un environnement, par une histoire, parce que Lens est aussi un club historique en France, pas sur la scène européenne, mais en France. On l'a vu avec le maillot de ce soir, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Dédicace au maillot qui était extraordinaire, voilà. Ce maillot. Ouais, on rend hommage à l'histoire de Lens en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va dire que tous les facteurs étaient réunis pour aller faire cette prestation-là. Et malgré l'ouverture du score d'Arsenal, comme on l'a dit, on aurait pu penser qu'ils auraient pu flancher ou autre, mais finalement, non, ils sont vraiment. On l'a vu tellement de fois chez un club français. Et surtout, c'est hyper intéressant ce que vous dites, et on repartira par la suite sur l'analyse collective du match. Sur l'aspect ambiance et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui fait qu'on passe une grande soirée européenne. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être parti 15 ans en arrière, moi. 15, 20 ans en arrière. Un club français. Je mets le Paris Saint-Germain à part parce que le Paris Saint-Germain est dans une autre sphère, donc il y a pas les mêmes sensations dans les approches des grandes soirées européennes en phase de poule de Ligue des Champions, je parle. Est-ce qu'on n'a pas eu alors tu veux pas le terme exploit, mais une grosse performance française en phase de poule de Ligue des Champions pour la première fois depuis très très longtemps. Et j'englobe le résultat et toute l'atmosphère qu'il y a autour, Bollard, les chants, le maillot, t'as raison, Samy, ça rentre aussi là-dedans. Après, aussi grosse performance française, t'as eu Lyon, par exemple, en 2020. Oui, avec la Juve, avec City. Donc, après, le cadre lyonnais peut-être différent. Pour moi, le Parc OL a moins de caractère, d'âme, encore que pouvait avoir Gerland. C'est vrai qu'il y a ce manque, peut-être, que Bollard joue aussi cette beaucoup. Culture, ouais. Il y a ça qui joue beaucoup aussi, le fait que voilà, le stade est quand même plein de couleurs, les tribunes proches de la pelouse, on le sait très bien, c'est un stade atypique en France, c'est un stade un petit peu à l'anglaise, et il y a ça aussi peut-être qui joue. On avait aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, je pense que la dernière équipe à avoir joué en C1 à Bollard, c'était Lille, il me semble, peut-être. Ouais. Il y avait une année. Ils avaient même battu Milan, peut-être, il me semble. Non, c'était United. En tout cas, il y avait une belle victoire à Bollard de la part des Lillois, donc c'est vrai que c'est des images qui nous rappellent à notre jeunesse, puisque Bollard revenait aussi en C1 et c'est un autre mythique aussi en France, donc je pense que ça joue aussi sur notre visuellement. Ce qui est très important, c'est que au-delà du décorum, notamment par rapport à Bollard, alors évidemment c'est très important, il s'agit pas de négliger ça, mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est que Lens réunit notamment le staff, réunit tous les éléments pour que ça soit une grosse performance. Moi, ce que j'ai aimé, notamment, depuis le tirage au sort du côté de Francaise, c'est qu'à aucun moment, ils ont développé un complexe. Ça peut sembler culotté, mais Francaise, quand il regarde le tirage au sort, comme nous, de manière spontanée, il fait « Enfin, les gars, c'est une poule qui est ouverte. » De toute façon, on était chapeau 4, ouais, on allait tomber forcément. Mais voilà, il avait verbalisé. Mais donc, c'est pas culotté. Non, c'est il pas... Il est réaliste. Parce que nous, il a été réaliste, généralement, c'est plutôt l'inverse. Il aurait très bien pu se dire de manière très modeste « Ok, les gars, on retrouve la Ligue des Champions. » Même si on est le RC Lens avec toute cette histoire, voilà, on est la plus petite ville engagée. Avec la langue de bois typique au football. Mais à partir du moment où Jean Fernandez, je vais prendre une photo avec Mourinho. Quoi. Voilà, mais à partir du moment où on parle d'un club qui capitalise sur quoi ? On parle d'une équipe qui capitalise sur un statut de vice-champion de France, on va être en adéquation avec ce statut. Dès le tirage au sort, il pose le contexte, à savoir que Lens va être là pour faire des performances. Pas un exploit, des performances. Et ça commence avec Séville, où on parle de Séville. On effleure ton ordi. Mais Danso en parle dans une très bonne interview dans l'équipe, à savoir qu'ils auraient pu couler après l'ouverture du score précoce. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu un instant où Lens a retrouvé notamment ses vertus. Enfin, retrouvé. Moi, j'ai toujours fait le distinguo entre le classement de Lens et son contenu. À savoir que son contenu, pour moi, dans la globalité, avait été bon. Mais ça n'a pas été récompensé. Pourquoi ? Parce que t'étais déficitaire dans les deux surfaces. Et ce soir, t'es à l'opposé. Samba fait un gros match. Et Wai est décisif sur les deux buts. Et tout ça fait que Lens, notamment dans cette capacité justement à appréhender la performance, à optimiser cette performance en se disant que
peu importe l'adversaire, peu importe le standing, nous, on va avancer avec nos qualités. Et ben, c'est pour cette raison que je ne parle pas d'exploit, mais que je parle de performance. Après le match contre Séville, je me dis que Lens a toutes les qualités pour aller chercher sa qualification. Parce que tu t'es relevé notamment... Là, pour l'instant, ils sont premiers, ils ont deux points d'avance sur le troisième. Tu t'es relevé d'un but à l'extérieur face à Séville. Séville qui a quand même une culture européenne qui n'est pas à présenter. Et là, tu valides ça, tu bonifies ce match nul par une victoire qui plus est face à l'équipe qui était supposée être l'épouvantail de cette poule. Mais je pense aussi, enfin, juste pour finir sur ça, je trouve que c'est une très bonne chose, cet état d'esprit, cette façon d'appréhender la compétition. Je pense qu'en France, depuis... Il y en a marre d'être les petits poussés, Mais c'est ce qui me plaît, c'est qu'ils le verbalisent. Mais parce que aussi depuis quelques saisons, il y a un discours ambiant en France aussi sur voilà, la Ligue 1 est mauvaise. On a tendance quand même à s'autoflageller. Excuse-moi, c'est un débat qui existe depuis 4-5 saisons. La Ligue 1 est mauvaise, on est nul en Coupe d'Europe. Par contre, pour revenir sur la Coupe d'Europe, je t'ai laissé t'exprimer, juste je finis ça. Je trouve, moi, mon avis, je trouve qu'il y a ce côté autoflagellation en France depuis quelques saisons. On est mauvais en Europe, les résultats on nous les montre, la Ligue 1 c'est pas ouf, on n'est même pas dans les 5. Il y a eu le côté aussi coefficient UEFA, à un moment donné on était menacé par le Portugal, par la Russie, par les Pays-Bas. Donc je pense aussi que voilà, c'est rentré peut-être un peu dans les esprits, malheureusement ou pas, chacun se fera son avis. Et moi je trouve que la façon d'appréhender maintenant cette compétition, de voir les choses comme le font les Lensois. Moi personnellement, quand je vois le tirage au sort, je trouve ça logique que Lens ait une chance et une carte à jouer. Clairement, si tu regardes toutes les équipes, entre ils ont rien envie au PSV Eindhoven. Je suis désolé, Arsenal a été un grand club européen. Ça fait 10 ans qu'il n'était pas présent. C'est une équipe, voilà, pour moi, qui n'a pas de qui n'a pas de référent récent dans cette compétition. Ouais. Donc qui n'a rien. Enfin, Lens n'a rien. Ils n'ont pas joué depuis 10 ans. Donc voilà, il y a rien à envier vraiment à Lens sur ce côté-là. Et tu avais Séville qui, oui, avait pour lui, qui pour moi était voilà l'équipe qui avait le plus de légitimité. Pour moi, dans cette poule, sur son expérience européenne ces dernières années. Mais heureusement, aujourd'hui, que l'entraîneur Francaise, qui voit son effectif, qui connaît son équipe, ben oui, est conscience, et aujourd'hui nous disent oui, Lens joue sa carte. Ça me fait penser à qui, et ça va sûrement te faire sourire, ça me fait penser à Ray Gragui avec son approche avec le Maroc, à savoir verbaliser un objectif. Tu vois, quand on parle d'exploit, quelque part, quand on parle d'exploit, c'est qu'on admet que sur ce type de match... On n'est pas censé gagner et que fatalement, on va arriver avec une position de soumission. Ça n'a pas été le cas de Lens. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple par rapport au Maroc. C'est qu'eux, ils sont arrivés en se disant, on va verbaliser ça, en se disant qu'on a un destin dans cette compétition. Peu importe si on sort en 8e ou si on va jusqu'au bout. Et là, c'est plus ou moins la même chose avec le RC Lens, qui t'explique qu'à partir du moment où on a un tirage abordable, eh ben, on va se mettre en adéquation avec ce que demande la compétition et qu'on va réagir en conséquence. Peu importe ce qui va se passer, parce que je te dis ça ce soir, Lens peut finir avec 4 points au bout de 6 journées. Mais par rapport à ce qu'ils font depuis le début de cette Ligue des Champions, Lens est dans les clous. Et par rapport à ça, je te dis que ce soir, je ne parle pas d'exploit, je parle de grosses performances. Dominique, si on reprend un peu la saison lensoise, et puis après on parlera des perfs individuels, on a l'impression qu'en plus d'être à la hauteur de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions a servi à la saison du RC Lens. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord autour de la table avec moi, mais le déclic de la saison lensoise, c'est Séville en fait. Et si on prend les 3 buts de Lens en Ligue des Champions cette année, le coup franc de Fulgini et les 2 buts de ce soir, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt cool. Mais c'est aussi un peu à l'image de ce qu'avait fait Rennes en 2018, je crois, qui s'était relancé en championnat via l'Europa League et le parcours qu'ils avaient fait en Europa League. C'est pas si fréquent, quoi, parce que j'entends les critiques de Samy qu'on est toujours trop sévère. C'est le cas. Mais ça n'empêche que si on s'extasie ce soir aussi, c'est parce que ça nous arrive pas si souvent, quoi. Bien sûr. Et la plupart des personnes, je pense, peuvent être aussi un peu surprises de ce retour de Lens, parce que comme on l'a dit, en championnat, avant le match face à Séville, on se demandait dans quelle direction ils allaient, on se demandait aussi comment l'entraîneur allait pouvoir trouver les bons leviers pour faire changer un peu cette tendance, même si lui était toujours resté sur le même discours et savait que son équipe avait la capacité de pouvoir se relever et de réaliser de bonnes choses malgré les mauvais résultats,
dans le contenu, il y avait toujours eu de bonnes choses, même si notamment c'était face à Metz, je crois qu'il y avait eu 20 tirs. Ah, Metz, c'est un match qui est lunaire. Voilà. Et lunaire. Tu le perds alors que. Une trentaine de tirs, je crois. Ouais, c'est 30 tu, tirs. Tu le et perds alors déjà, que. Il fait l'un dominé, des meilleurs matchs. Tu as dominé de, match après, de la tête et des épaules. Et donc, dans le contenu, tout n'était pas à jeter, mais dans les résultats, effectivement, il y avait ce bilan-là qui était négatif. Et ce match face à Séville, après l'ouverture du score, on se dit, bah voilà, c'est terminé pour eux, ils vont replonger, comme d'habitude, comme on l'a vu en championnat. Et. Contrairement à ce qu'on pouvait tous attendre, ils ont su relever la tête et surtout nous montrer un autre visage et retrouver ce visage qu'ils avaient la saison dernière sur toute la saison qu'ils nous ont montré et qui a fait de cette équipe l'une des plus joueuses et les plus enthousiasmantes à regarder jouer. Et peut-être que cette compétition aussi qui est différente, qui est nouvelle pour eux, là où ils se disent on n'a rien à perdre, jouons nos chances à fond et ils nous l'ont démontré. Leur a permis aussi de se remettre la tête en endroit. Et on l'a vu depuis Séville. En championnat, ça va un petit peu mieux, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et encore ce soir, parce que le match de ce soir où tu joues face au supposé leader, soi-disant, de ton groupe, qui, la saison dernière, en Première Ligue, a fait la course quasiment toute l'année en tête. 84 points. Voilà, quasiment toute l'année en tête. Et qui, c'est pas un trophée, ça, les gars. Non, c'est pas un trophée, mais ça te montre quand même que sur la durée de cette équipe-là. C'est pas un trophée, mais c'est un trophée. Non, mais c'est un accomplissement. 84 points, 84 points. Déjà, c'est la saison dernière, c'est notre compétition. Bien sûr, oui, mais Samy, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une équipe qui nous a montré sur toute une saison, dans un championnat qui est assez relevé, qui était capable d'assumer un certain standing. Et on se demandait comment Lens allait pouvoir réagir. Et aujourd'hui, Lens nous a démontré qu'ils étaient capables de faire jeu égal et même mieux et de dominer cette formation-là. Donc, c'est pour ça que. La Ligue des Champions peut être un déclic pour cette formation lensoise. Maintenant, je vais quand même mettre une petite touche de mesure. Mmh. Le pain quotidien, c'est la Ligue 1. Totalement. Il y aura une débauche d'énergie mentale et physique sur, jusqu'à décembre avec cette Ligue des Champions. Donc, comment ils vont pouvoir la gérer et, on va dire, continuer sur cet allant ? Parce qu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire face à Séville, face à Arsenal. Maintenant, il faut le voir aussi en championnat. Et comment, avec cet impact physique et mental, ils vont pouvoir la gérer. Ça, j'attends de voir. Très important ce que dit Dom, parce qu'il y avait une personne qu'on avait reçue, notamment sur un temps additionnel, c'est Abibé qui en parlait après un match qu'ils avaient remporté. Il avait fait notamment, il avait donné exemple l'année dernière, quand le Ressart était engagé dans une course remontée, ils avaient établi un objectif sur un match clé. Ce match clé, il l'avait remporté. Mais derrière, ils avaient connu deux mauvais résultats de suite. Et lui, la raison qu'il avait évoquée, c'est que, aussi bien par son passé de joueur, mais aussi par son passé récent de jeune entraîneur, c'est qu'il expliquait qu'à partir du moment où tu avais atteint un objectif, il y avait une forme de décompression. Et que son objectif sur la saison actuelle, bon d'ailleurs, le Red Star avance bien, c'était de faire en sorte que ça soit des étapes. Ça va être la même chose pour le RC Lens, à savoir que Lens, ou plutôt Arsenal, n'est pas une finalité. Il est question de quoi ? Il est question d'une deuxième journée. Tu as aussi un concours de circonstances favorables parce que tu affrontes Arsenal à la deuxième journée, pas à la 4, pas à la cinquième journée. Et donc, même si tu vas affronter Arsenal... Tu le reprendras en cinquième journée. Tu vas prendre sur le match retour. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on en parlera de manière précise tout à l'heure, c'est Arsenal qui est encore une fois en chantier. Bon, même si encore une fois, Arsenal était invaincu avant ce soir et la performance est à mettre au crédit de Lens, il faut que ça soit une étape... à valider pour la Ligue 1 pour que tu retrouves les sommets. Parce qu'il est question de quoi ? Il est question de Lens, qui est 15e de Ligue 1. Bon, ça, il ne faut pas l'oublier. Après, la Ligue 1, t'es 15e, il y a autant de points d'écart entre le 5e et le 15e qu'entre le 15e et le 18e. J'ai toujours été des personnes qui disaient que même si Lens était parmi les deux relégables, le contenu était bon. Il y a un match où ils ont été à côté, c'était contre Monaco. Et d'ailleurs. Et Paris aussi, ils sont pas. Non, fous. Même Paris, sur la première période. Sur la première période, ils ne sont pas à la rue. Et Francaise, à juste titre, après Monaco, ils tirent la sonnette d'alarme. Il y a juste ce match-là. Mais sinon, sur le contenu, ils avaient été bons. Ce qui manquait, c'était que tu étais déficitaire dans les deux surfaces. Mais maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est pas parce que tu as battu Arsenal que tu es arrivé, que tout va se remettre à enchaîner. Il va falloir établir des performances sur la continuité pour valider cette idée que tu es de retour. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un match ce week-end et puis il y a une trêve internationale, donc ça va faire une petite pause pour les Lensois pour recharger les batteries. C'est le derby, la face à Lille dimanche. Mais au moins, il y aura une petite pause pour recharger les batteries et puis après, on repart sur la Ligue des Champions, une grosse période de match, puis repose, parce qu'il y a des trêves internationales tout le temps, puis il y aura un dernier petit marathon. J'ai envie de parler d'un joueur. Alors, on pourrait parler de plein de joueurs dans cette équipe de Lens. On pourrait parler du match de Sotoka. On pourrait parler des trois de derrière, les trois défenseurs centraux, le match de Brice Samba. Mais n'empêche qu'Eli Wahi, c'est lui qui illumine cette soirée lensoise. C'est aussi, comme on l'a mis en liner, peut-être le symbole du renouveau. Parce que, certes, Samy, on a mis comme...
véritable départ de cette saison l'an soit ce qui s'est passé à Séville, mais ce qui s'est passé à Séville, ça correspond aussi au fur et à mesure que Eli Wahi soit intégré à cet effectif. Et c'est aussi peut-être ça qui change la donne maintenant par rapport au début de saison l'an soit, c'est que bah, il y a un attaquant qui peut potentiellement marquer et qui peut créer des différences, faire des passes décisives complètement dingues comme celle d'aujourd'hui. Oui, c'est moi personnellement, je suis plutôt bluffé sur ce qu'il nous fait. Il y a une progression constante depuis trois saisons. Même là, je trouve qu'il a franchi un palier. C'est vrai qu'il est transféré un peu tard. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Ça a joué sur son voilà. début de saison et oui. sur le début de saison de Lens. Ouais. Il me semble qu'il commence avec Montpellier. Première titularisation avec Lens, c'est face à Monaco. D'accord. Donc il commence juste avant la trêve internationale. On le sait, c'est compliqué. En plus, il est pris avec les espoirs. C'est pas facile. C'est pas facile pour s'intégrer. Et lui, au final, et puis surtout, enfin, je trouve, hein, il prend la succession d'un buteur. Qui a quand même fait une saison assez énorme. C'est plutôt pas mal. Donc c'est ça. Il y a plusieurs quand même paramètres qui rentrent en compte dans ce transfert. Il y a aussi la lourdeur du transfert quand même pour un 35 entre millions. Interclub français 30-35 millions. C'est 30 plus 5 millions d'euros de bonus. Ouais. Donc 35 millions d'euros à peu près. C'est quand même lourd pour la Ligue 1. Ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas tous les jours. Hein. Des transferts Ligue 1 qui sont pas avec le Paris Saint-Germain où il y a un joueur 35-40 millions. 35-40, ça arrive pas. Ça arrive pas souvent. Voilà, il y a Rennes de temps en temps, mais il y avait quand même. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui auraient pu lui servir d'excuse pour des performances moindres, et au final il s'intègre plutôt vite. On le voit être bon en championnat, il marque contre Strasbourg, on le voit être bon maintenant en Ligue des Champions, il a été intéressant contre Séville, il est énorme ce soir. C'est un joueur qui n'a que 20 ans, je le disais tout à l'heure en termes de statistiques pures, parce que ce sont deux styles différents, mais à part Kylian Mbappé à 19 ans il marque 19 buts la saison dernière en Ligue 1, je connais pas beaucoup de joueurs de 18-19 ans qui marque 19 buts en Ligue 1 à part Kiki, vous pouvez m'en citer, essayer d'en trouver. Je parle j'ai pas genre, en tête, hein. J'en ai pas en tête. C'est assez rare. On peut essayer Benzema, de revenir Benzema, sur les Benzema. Même Karim Benzema. Même Benzema ne l'a pas fait. Et c'est vrai que je trouvais que il y avait comment dire. On n'était pas forcément dithyrambique. Je vais pas dire qu'il était sous-coté parce qu'on savait que c'était un bon joueur. Mais par exemple, le fait pour moi de ne pas le voir soulever le trophée d'espoir de Ligue 1, moi j'avais trouvé ça étonnant. Je trouvais qu'il y avait quand même une certaine forme de un manque de reconnaissance. Après, on peut en débattre. C'est l'attaque Montpellier et c'est Nuno Mendes qui l'emporte. Oui, mais là on parle. Ouais, mais c'est l'attaque PSG. Mais on parle d'un joueur qui joue 17-18 matchs. C'est le voilà. Non, mais moi j'étais d'accord. C'est le maillot qui fait que il joue un peu. Enfin, bon, c'est pas. Oui, le débat de l'espoir. Mais pour moi, voilà, moi j'avais trouvé ça dur. Je trouvais que voilà un joueur de 19 ans qui a ses statistiques et qui est aussi important pour son équipe, certes il a pas le mot du PSG, bah, il faut le faire quand même. Non, un joueur aussi jeune qui est le leader d'attaque de son équipe, on le voit maintenant, il franchit des paliers et ce qu'il est en train de réussir me conforte même sur les qualités du bonhomme, parce que les qualités sur le terrain on les a vues. Il a la vélocité, il est rapide techniquement, c'est du haut niveau, voilà, c'est pas le plus grand dribbleur, mais il a ce qu'il faut, il a le bagage, il a le sens du but. Et il a aussi il sent le jeu. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ça c'est validé. Mais moi, je trouve que ce qu'il nous montre depuis son arrivée, c'est aussi le côté mental, le côté supporter la pression. C'est d'autres paramètres hors terrain qui sont extrêmement importants pour dans le processus d'une très bonne carrière. Et ce que nous montre Wahi sur ses premières semaines de compétition avec Lens, pour moi, c'est très très intéressant, c'est très prometteur. Juste Dominique, pour continuer sur les qualités de Wahi. Alors moi. Où là, par exemple, pour prendre mon exemple, je suis bluffé, c'est aussi sur cette capacité à être autosuffisant. C'est ça. Avec, quand on prend le but qu'il met à Strasbourg là ce week-end avec la petite talonnade et la finition clinique, là aujourd'hui la passe décisive, faut se l'inventer et faut l'exécuter. Le but aussi en une touche, faut le mettre. C'est ça aussi peut-être qui est impressionnant, qu'on n'a peut-être pas vu venir aussi vite en tout cas et à ce niveau-là avec Eli Wahi. Oui, à ce niveau-là, et surtout dans une nouvelle équipe, dans un nouveau contexte pour lui. Alors par contre, c'est l'entraîneur qui n'était pas forcément très satisfait de sa prestation face à Strasbourg, en indiquant qu'il était peut-être un peu trop exclu du jeu collectif lensois. Et même si, on l'a dit, il est autosuffisant, et ce soir, il nous montre aussi que sur de rares opportunités, il est capable de faire la différence. En début de match, face à Strasbourg, tu as une paire de balles où il prend une avoinée de Francaise. De Francaise, et je crois que Medina aussi lui rentre dedans un moment. Et ce que disait Francaise, c'est qu'il vient d'arriver, donc il faut lui laisser le temps, bien évidemment. On ne va pas non plus tirer des conclusions, mais il va falloir aussi qu'il se connecte encore un peu plus, qu'il connaisse un petit peu mieux ses partenaires. Mais ça va venir avec les automatismes, avec les compétitions et les matchs. Mais passé ça, effectivement, quand tu vois ce qu'il est capable de réaliser aujourd'hui face à une défense quand même assez costaud d'Arsenal,
tu te dis que le garçon, voilà, il est couillu, quoi. Il a pas peur, il prend ses responsabilités, il va au charbon et il essaye aussi de jouer avec ses partenaires, même si je pense encore une fois qu'il y aura des meilleures connexions qui vont se faire au fil des minutes et au fil des matchs avec ses coéquipiers, parce que je crois qu'en début de rencontre aussi, je crois que c'est Sotoka à un moment qui lui passe une petite soufflante. C'est ça. Voilà, c'est un joueur qui est encore jeune et qui a encore besoin d'apprendre. Mais dans ce qu'il nous a démontré avec Montpellier, ce qu'il est en train de faire avec Lens, donc à un étage supérieur, avec un collectif qui retrouve petit à petit ce qu'ils nous ont montré la saison dernière, on va dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire une bonne recette pour lui et surtout qu'il puisse se mettre en valeur et assumer ce rôle de leader offensif de Lens. Pour moi, c'est la clé, à savoir que du côté du RC Lens, et lui, il a de la chance, on ne lui passe rien du tout. On ne lui passe rien du tout parce que tu as évoqué notamment la soufflante contre Strasbourg. Francaise avait mis aussi un taquet en conférence de presse où il avait dit qu'il doit faire beaucoup plus de courses, notamment pour ouvrir le terrain. Parce pour l'équipe, que, oui. Pour l'équipe, parce que c'est vrai qu'il a un petit défaut, et ça c'est logique, il va demander davantage le ballon dans les pieds. Alors qu'on sait que très bien que du côté de Lens, dans le jeu, tu as besoin d'ouvrir des espaces pour que les autres ils puissent s'insérer, pour avoir plus de perspectives. Mais maintenant, quand on parle d'Eli Wahi, on parle d'un attaquant qui, sur les deux premières journées de Ligue des Champions, est un attaquant dimensionné pour la réalité pour d'un attaquant en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est la clé, parce que en fait, en Ligue des Champions, tu dois beaucoup plus produire en qualité qu'en quantité. Parce qu'il y a un rapport de force entre deux équipes, ce qui fait que très souvent, l'attaquant, il n'aura pas beaucoup de spots. Mais par contre, quand il aura ses spots, il va falloir qu'il bonifie, qu'il valorise ses ballons. Et les faits sont têtus. La première action, extraordinaire. Extraordinaire, parce que la qualité de l'enchaînement, moi franchement, quand Machado il envoie le ballon, je fais ouais, non, c'est terminé. C'est quoi cette galère là? On a cette réaction spontanée. Bon, l'action elle est terminée, ils n'ont pas pu profiter de la relance ratée de Raya. Mais ce qu'il arrive à te faire tout de suite pour Thomasson, c'est extraordinaire. Et le deuxième but, signe d'intelligence, parce fort, que ça c'est le but d'un attaquant de Ligue des Champions, parce qu'il attend son moment, il sait que bien placé. Frankowski il va centrer en retrait. Il regarde la position de Saïba qui, au passage, à aucun moment, il regarde Eli Wahi. Il attend son heure et au dernier moment, ficelle. Et ça, c'est ce qu'on demande à un attaquant, à savoir, tu dois beaucoup plus produire en qualité qu'en quantité. Parce que, évidemment, c'est la Ligue des Champions, tu n'auras pas 50 occasions. Mais par contre, sur les deux occasions que tu auras, tu dois être décisif. Et c'est en ça que Eli Wahi, par rapport à ce qu'il montre depuis début de saison, bon, même si sa saison elle est quand même particulière parce qu'elle s'est lancée de manière tardive, c'est quand même prometteur. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que ces gestes-là, il les faisait avec Montpellier. C'est juste que là, le niveau est différent. On est avec des champions, mais je vous invite à revoir ses buts, son top but. Enfin, il y a quand même. Oui, mais même s'il le faisait, enfin, c'est alors, j'entends. Encore pris de c'est but ça, c'est de la même manière, de la même manière que tu dis que pour Arsenal, c'est pas la même chose. Quand tu fais ça en première ligue. Là, faire ça à Angers avec Montpellier, c'est pas la même chose. Et faire ça à un quart d'heure de la fin, quand tu pourras avoir moins de lucidité. C'est là où je veux en venir. Je te dis juste que cette façon de jouer, ce côté un peu spectaculaire, il l'avait déjà avec Montpellier, notamment, je vous invite à voir son but contre Lyon. Où il avait, il avait ce côté un peu, cette vista du geste tenté. Il le fait aussi en espoir. Il a fait, bon, il n'est pas encore titulaire en espoir, mais il a fait des très belles entrées. Bon, là, avec la blessure de Kalimuendo, je pense que, enfin, il est revenu, mais il y a une opportunité. Mais il y a une possibilité, quoi. Mais ce que tu disais, c'est très vrai. Et faire ça à ce niveau-là, à son âge-là, en Ligue des Champions, s'il continue sur ce. Ça va être un joueur qui, pour le coup, moi, je trouve que cet été, il a été sous-coté. D'ailleurs, il n'y avait pas eu non plus d'immenses rumeurs le concernant. Après, c'est vrai que Montpellier demandait une grosse quiche-là. Oui, mais il faut arrêter, les gars. Non, mais attends, une grosse quiche-là, excuse-moi, il y a aucun... Oui, mais il l'a mérité. Juste parce qu'il ne s'appelait pas... Son nom ne se finissait pas en Igno ou en Wright. Je suis désolé. Laisse-moi finir. Si, je suis désolé, c'est la vérité. Parce qu'en termes de jeu... Non, parce qu'il me contredit. Alors que là, je suis dans le vrai. Elton, s'il te plaît. On dit la même chose. Je te dis juste que moi, je trouvais scandaleux le peu d'intérêt et le peu de rumeurs qu'il y avait autour de Wahi. Enfin, je trouvais ça étrange. Excuse-moi. Après ces deux saisons en Ligue 1, ce qu'il avait montré dans le contenu et dans les statistiques à un âge aussi jeune, et je voyais d'autres partir pour des prix 30-35 millions d'euros. Et ben pour moi, c'est pas cher vendu. Je suis désolé. J'ai vu des joueurs ou des
transferts dans d'autres championnats pour des saucisses à des 50-60 millions et personne n'ouvrait sa bouche. Là, non, ça... je trouvais, Est-ce que tu penses pas que ça en dit long sur la vision du championnat de France qu'on a en Europe Et pour finir, et même là, la façon dont traite Franck Hayes le joueur, je trouve qu'il y a peut-être un manque de considération sur Wally. Je trouve, parce que peut-être d'être dur, c'est quand même un gros transfert. Normalement, quand tu es le gros transfert, bon, même si t'es jeune, tu vois, tu dois être un peu mis en avant. Là, les gens sont durs avec lui. Il n'y a pas encore de. Je trouve. Est-ce que j'ai le droit, Elton? Est-ce que tu m'autorises? Il est d'accord avec toi. On n'en fait pas assez sur Eli Wally depuis une année. Vu le niveau qu'il atteint aujourd'hui, il nous le montre maintenant en Ligue des Champions. Je trouve qu'on a. On était peut-être un peu dur. Là, maintenant, peut-être que les regards vont être différents. Samy, sur ce que tu as dit, évidemment, moi, je ne vais pas contester la qualité d'Eli Wally, mais maintenant, tu peux regarder notamment avec le prisme d'un club extérieur qui voit Eli Wally à Montpellier, qui est 14e. Alors, attention, il ne s'agit pas notamment de dénigrer Montpellier, mais ils se disent qu'à partir du moment où c'est Montpellier, mais c'est un indicateur. Ce n'est pas comme si Eli Wally avait mis 19 buts à Lens. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore pire, tu le fais à Montpellier dans une équipe en difficulté où t'es pas forcément aidé sur le... Ça, à chaque fois, il y a deux visions. Est-ce que c'est plus facile? Il y a du mérite, il y a énormément de mérite dans un contexte qui a été difficile, parce que je vous rappelle qu'au mois de janvier, Montpellier, on était très inquiets pour eux. Effectivement, il y a du mérite. Et maintenant, il y a un juste milieu entre mettre des buts à Montpellier et tout de suite faire la grande bascule. Parce que toi, si je t'écoute... C'était un club qui jouait limite dernier carré de Ligue des Champions. Je pense que Eli Wally, et de manière très rationnelle, il a fait le bon choix. Tu n'es pas obligé de jouer demi-finale de Ligue des Champions pour avoir un bon transfert. Je peux te trouver des joueurs, mais je voudrais des pics. Il y a un deuxième de Ligue 1 qui a mis 35 millions pour l'avoir. Tu veux quoi de plus? Ça a mis du temps parce que c'est un peu quand même. On l'a senti, c'est un peu sur la fin. C'était pas le premier choix de Lens, je suis désolé. Parce que le premier choix de Lens, c'était de ne pas perdre Openda. Bah oui, c'est ça. Il y a peu de clubs qui se sont bousculés. Et moi, je trouvais ça assez étonnant. Je te garantis que si Eli Wally met 19 buts avec le RC Lens qui engage, il sera plus là l'année prochaine. Bah oui. On est d'accord. Mais la preuve, c'est qu'Openda part pour 50 millions d'euros. Même te dire un truc, c'est une étape qui me paraît beaucoup plus logique et beaucoup plus saine pour moi. Je suis content qu'ils soient restés. Oui, et en ce sens, quand tu me parles notamment de Franck Hayes qui met notamment des coups de semonce, mais il a raison. Il a raison et ça va participer. Ça se voit rarement. Non, mais il va participer. Au bout de 3 matchs, ton joueur à 35 millions d'euros, ça se voit rarement. Avec tout le respect qu'on doit. Moi, je trouve ça bien. Mais ça montre. Non, c'était par rapport à la considération du joueur. Ça montre que. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on le sous-cote un peu. Avec tout le respect qu'on doit pour Montpellier, il y a quelque chose de logique à avoir une exigence supérieure. Aujourd'hui, Eli Wally, tu vas être le 9 d'un club qui est vice-champion de France, qui est en Ligue des Champions. Tu vas être attendu chaque week-end, c'est-à-dire c'est plus le dimanche 15h où on va te voir, ça va être le mardi soir maintenant et sur les matchs décalés. Et en ce sens, on va te demander beaucoup plus, c'est-à-dire que ça ne suffit pas que tu nous mettes des buts. Il va falloir aussi que tu fasses des appels à vide qui font peut-être chier, mais qui vont être nécessaires pour que le copain il puisse être en capacité d'être décisif ou justement de te la redonner pour que tu puisses marquer. Et ça, Eli Wally, je pense que ça va lui faire énormément de bien pour devenir un meilleur attaquant, parce que la qualité brute, il l'a. Mais maintenant, il faut qu'elle se développe, et je pense que Franck Hayes est la personne indiquée pour faire évoluer Eli Wally dans le bon sens. Et là, on a quand même un début Lens, de réponse. Lens, c'est le club indiqué. Parce que c'est le mérite d'Eli Wally, et encore une fois, je termine, et c'est pour ça que moi, j'en appelle à son cerveau. Et Thierry Henry, justement, notamment après le match face au Danemark, il en avait parlé. Mais c'est un garçon qui a l'écoute. Et ça, c'est quand même très rassurant, parce qu'il pourrait se dire « Ok, j'ai mis 19 buts en Ligue 1. » Il avait valorisé le fait qu'il pressait à 3-1 et donc il avait mis ce quatrième but. Et ça, pour ça, je pense que le cerveau, l'intellect d'Eli Wally là-dessus, c'est quand même une bonne chose. Bon, alors c'est bon, on a fait notre débat sur Eli Wally, c'était très cool. On dit la même chose, mais on n'a pas pris la même chose. C'est souvent le cas quand on est avec Samy, c'est qu'on dit la même chose, mais il est en conflit. Mais il est en conflit, quoi. Il était sous-côté. On n'a jamais dit. Oui, mais non, c'est vice-champion de France. Il est sous-côté. Il y a le vice-champion de France qui a mis 35 millions sur lui. C'est globalement, il commence l'Euro, il n'est pas titulaire, alors que normalement, il doit être devant sur le talent. Sur la saison écoulée, il y a Calimundo qui. Oui, mais même, c'était un tour, tu voyais qu'il était sous-côté. Je suis désolé. Mais Calimundo, il a marqué 5 buts.
rien à Rennes, Kalimundo, arrêtons. C'était Wayne qui méritait de débuter cette Coupe d'Europe. Pour moi, il était sous-côté. C'est toi qui as défendu Sylvain Ripoll pendant des années. C'est moi qui ai mis Sylvain Ripoll aux commandes. Allez, on va passer à Arsenal. On va passer à Arsenal. On aurait pu parler de Sotoka, on aurait pu parler de Brissamba, de Grady qui tient des buts de Medina, Medina, Gabi Jesus, en plus Gabi Jesus, on sait très bien que son jeu de dos, il est très très fort en PL. Il en a pas pris une. Après, son seul défaut, c'est d'être argentin, quoi. Sinon, le reste. Bah oui, c'est vrai, mais bon, il y a un moment où c'est pas grave. Medina qui était appelé en sélection avec Lens. Comme quoi, Lens s'est regardé. Avant la Coupe du Monde, il était déjà appelé. Comme quoi, Lens s'est regardé, tu vois. Donc c'est ça. Arsenal. Il me semble qu'il y a une annonce jeudi. Il y a une liste, ouais, parce que putain, ça s'arrête jamais. Je suis très content. C'est chiant, franchement, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec Wenger depuis qu'il fait des propositions pour le football. Mais mettez-nous 3 semaines, 1 mois de trêve internationale, là, une fois, et arrêtez de nous mettre 3 trêves en 1 mois et demi, là où on est obligé de s'arrêter. Mais sérieusement, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était hier les matchs de France. C'est surtout qu'on n'a pas l'opportunité d'enchaîner, quoi. Je sais pas, là, il y a 2 journées de Ligue des Champions, on a envie d'être dans un rythme et tout. Ouais, ça va s'arrêter, trêve internationale. Tu vois, moi, je me suis dit, c'est bon, je suis lancé dans ma Ligue des Champions et à tout de suite, trêve internationale. Ouais. Alors qu'en plus, t'es un défenseur du foot de sélection. Ah, moi, j'adore le foot de sélection. Moi. Ouais, mais bon, là, c'est trop. Après, là, c'est plus beau en émotion. Là, on est sur une période. Là. Enfin, bon, en émotion, les émotions de septembre, octobre, novembre, en équipe nationale, s'il te plaît. Ah, mais il y a un beau Pays-Bas-France quand même. Ah oui, ouais, génial. Mais super, on est déjà qualifié. Il y a aucun sens, il va pas tourner. J'ai envie de voir l'équipe de France première. Ouais. J'ai envie de voir Wally marquer avec l'équipe de France. Ouais, peut-être. Est-ce que tu penses qu'il sera sous-coté par Deschamps? Alors, il peut rien dire. Si Deschamps, il y a quand même du monde. Si Deschamps ne le prend pas, c'est qu'il voudra son développement et donc il le laissera avec les espoirs. Il attendra que cette. Bien sûr, ce sera une gestion intelligente devant. Ça se bouscule au portillon. Ce sera une gestion intelligente, bien entendu. Alors, Arsenal, on est quand même un peu déçus par ce qu'a fait Arsenal aujourd'hui. On va parler aussi de la gestion de Mikel Arteta. Dominique, est-ce que tu es plus dans l'avis de Samy qui n'est peut-être pas si déçu que ça parce qu'il n'attendait pas grand-chose d'Arsenal de par le manque d'expérience en Ligue des Champions sur les dernières saisons? Ou quand même, t'attendais autre chose? C'est une équipe qui a montré, qui a fait une très belle saison l'année dernière et qui était toujours invaincue avant ce soir en Première Ligue et en Carabao Cup. C'est les 3 compétitions qu'ils ont jouées. Voilà, et t'as été déçu que cette équipe-là, même en menant, n'ait pas réussi à garder son avantage. Oui, surtout par rapport à ce qu'ils nous ont montré, notamment la Ligue des Champions. Premier match, tu en mets 4 face à Eindhoven. Tu lances bien ta saison et tu montres que tu peux répondre présent aussi dans ce retour en Ligue des Champions pour ce club-là, avec ce qu'ils ont fait aussi en Première Ligue. Alors même si en Première Ligue, voilà, ils étaient invaincus, mais sur certains matchs, c'était quand même compliqué de voir cette équipe d'Arsenal. Pour moi, ce n'est pas la même équipe qui a fait la saison dernière. On sent qu'ils ont... Si on voit juste la composition d'équipe, donc par rapport à la compo type de l'année dernière, il y a Tomiyasu qui est à la place de Ben White. Il y a un changement de gardien avec Raya, il y a Havertz qui s'est inséré. Declan Rice, ça c'est une bonne recrue. Et Trossard est arrivé en cours de saison ça dernière. Fait quand mais, même quasiment mais, la moitié. Mais ouais, sinon, ça fait quand même pas mal de chamboulement. Ça fait pas mal de changements et c'est pour ça que. Alors je sais pas si c'est l'équilibre qui n'est plus très bon ou l'état d'esprit de cette formation-là qui s'est un petit peu évaporé. Mais sur ce début de saison, malgré les résultats, je retrouve plus cette force collective qui avait pu faire. De cette équipe-là, un dauphin et même un candidat sérieux et crédible pour la Première Ligue l'année dernière. Et aujourd'hui, sur ce début de rencontre, avec ce premier but de Gabriel Jesus, je me dis voilà, ils ont retrouvé quand même cette capacité à punir l'adversaire assez rapidement sur la moindre erreur, et peut-être qu'ils vont pouvoir enchaîner. Mais ils n'ont jamais su répondre à l'impact physique qui a été mis par les Lensois quand ils se remontaient un petit peu sur le terrain avec un peu plus d'agressivité, notamment au milieu de terrain où Mendy, pour moi, a rayonné par rapport au milieu de terrain d'Arsenal. Et cette formation s'est délitée petit à petit. Il y a eu la blessure de Saka aussi qui te prouve que cette équipe est peut-être un peu trop dépendante d'un seul joueur dans son secteur offensif. Parce qu'une fois qu'il était sorti, le danger côté droit il était inexistant. Côté gauche, Trossard était un petit peu perdu. Fabio Vieira. Voilà. Donc les remplaçants n'ont pas été bons. Les changements faits par Arteta n'ont rien apporté non plus. Donc c'est pour toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, si tu es supporter d'Arsenal, bien évidemment, tu peux être déçu de la prestation de ton équipe parce que tu ne retrouves pas cet élan et même ce caractère qui peut te permettre
d'aller engranger des victoires, et notamment face à un adversaire comme Lens. On le rappelle, hein, avant la rencontre, moi je voyais Arsenal au-dessus, même si Lens pouvait jouer les yeux dans les yeux. Cette équipe d'Arsenal nous avait montré sur les précédentes journées et en Ligue des Champions qu'ils étaient capables de faire des bons matchs. Et aujourd'hui, ils sont tombés face à un adversaire plus fort qu'eux, tout simplement. On va parler de la gestion d'Arteta individuelle et collective dans cette rencontre-là. Mais Samy, est-ce que tu as senti un peu de suffisance de la part d'Arsenal dans la gestion de la rencontre, notamment après l'ouverture du score d'Arsenal? Moi, je pense que c'est... Oui, c'est... Ça vient aussi de la part d'Arsenal. Je pense qu'eux se sont vus peut-être plus beaux qu'ils ne l'étaient. Je vais préciser mes propos. Hein. Je n'ai pas dit qu'Arsenal était un petit club ou autre. Arsenal a eu un très haut passé européen. Mais le plus dur, parce que tout à l'heure aussi, vous disiez les 84 points, je vous avais repris sur ça. Le plus dur dans ce genre de reconstruction, c'est de confirmer, c'est la régularité. C'est ça qui est vraiment le plus dur. Ce en quoi je disais qu'Arsenal, pour moi, n'avait pas la légitimité européenne depuis 10 ans, c'est vrai que, par exemple, un Manchester City, un Liverpool, ou même un Chelsea, pour moi, aurait été un adversaire peut-être, tu vois, un peu plus, pas prestigieux, mais il y a une aura, pour moi, différente qui se dégage de ces clubs-là, puisque sur l'histoire récente des Coupes européennes, on les a vus présents, on les a vus performer. Et Arsenal, on sait que c'est un club en reconstruction. Alors, c'est très bien ce qu'ils ont fait la saison dernière, mais même la saison dernière, il y avait encore des prémices d'un club qui n'était pas encore parfaitement prêt à assumer ce nouveau statut. Ils sont écroulés sur la fin. Voilà, ils sont écroulés sur la fin. Il y avait eu des défaites quand même assez marquantes. Alors, certes, cette saison, dans les résultats, tu l'as dit en début d'émission, ils étaient invaincus, donc c'est un premier coup d'arrêt. Mais ils n'avaient même pas pris de but à l'extérieur depuis le début de la saison. Tu sentais qu'il n'y avait pas la même, en tout cas c'était pas la même fluidité dans le jeu et pas la même facilité à obtenir des résultats. Moi c'était l'impression que j'avais quand je regardais Arsenal la saison dernière, et qui m'avait surpris. Attention, j'avais été bluffé moi par Arsenal, les voir à ce niveau-là, moi je ne m'y attendais pas et j'avais été agréablement surpris. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu Arsenal performer sur le terrain, même voilà. Mais tenir longtemps aussi, tenir, parce voilà, que on parle de, me surprendre, c'est normal, voilà. C'est normal en fait qu'il soit écroulé sur la fin face à ce Manchester City là, c'est plutôt logique, mais nous surprendre, mais ça face va à tenir l'adversité longtemps, et puis avoir mis une pilule à tout le reste de exactement la parce que souvent il s'écroulait justement dès que l'adversité s'élevait un petit peu plus, on avait cette petite défaillance là, ils l'ont eu beaucoup plus tard, et c'est vrai qu'ils nous avaient offert une très belle saison. Maintenant je trouve qu'à l'approche, c'est l'approche d'une nouvelle saison, on efface un peu les ardoises. C'est pour ça que je te dis, les 84 points pour moi c'est pas un trophée. Ton équipe, je sais pas si Havertz, on pourra en discuter, si c'est une recrue, c'est une amélioration dans ton 11, c'est discutable. Moi, je pense que c'est discutable. Tu l'as dit, l'équipe. Il y a pas mal de supporters d'Arsenal qui regrettent le tandem Xhaka Partey. J'imagine. Même si Declan Rice, pour le coup, est arrivé très très cher et répond aux attentes, mais c'est vrai que par rapport à Havertz, c'est. Donc, je suis pas forcément convaincu qu'il y a une amélioration nette de la qualité de l'effectif ou du 11 de départ. Et c'est vrai que voilà, c'est en Ligue des Champions, on a deux équipes. Au final, pour moi, ils étaient un petit peu sur la même ligne de départ. Il n'y avait pas forcément un avantage pour Arsenal. C'est ce en quoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas forcément un exploit, parce que l'identité de l'adversaire compte énormément. Je te le dis, si ça avait été Liverpool ou Manchester City, là, j'aurais parlé d'exploit. J'aurais dit c'est extraordinaire. Là, il y a vraiment quelque chose. Pour moi, ce soir, je dis pas en termes, que c'est... En termes de talent, quand même, il y a... Bien sûr, mais c'est deux styles différents. En termes de talent, individuellement, Arsenal, c'est plus fort, c'est un tout, c'est le budget. Declan Rice, c'est plus cher que le budget de Lens. Donc, à un moment donné, on sait que c'est deux clubs qui jouent pas sur la même catégorie, dans la même catégorie. Mais là, on parle du terrain, on parle du rectangle vert. Et sur le rectangle vert, moi, de ce que j'avais vu de Lens la saison dernière et de ce qu'on savait des valeurs et des esprits de l'esprit lensois, Je dis pas que c'est dans la normalité, hein, ça reste une très belle performance européenne, mais je pense que l'écart, le gap n'était pas si important que ça, et c'est ce en quoi voilà, je resterai mesuré sur le terme exploit ou énorme performance. Moi j'ai effacé d'entrée. Le terme exploit, ouais. Il faut qu'on parle de la gestion d'Arteta, mon cher Elton. Gestion des individualités, je pense notamment à Bukayo Saka, parce que Bukayo Saka... il faut rappeler aussi le calendrier, parce qu'il y a un contexte pour Arsenal, c'est ce qu'on nous dit sur le chat. Ils ont dû trop penser à dimanche 17h30. Dimanche 17h30, il y a le match contre Manchester City. Ouais. Donc ça devait aussi peut-être cogiter dans certaines têtes. Penser, Romain, c'est au mois d'octobre. Hein. Bien sûr, c'est important. C'est important quand même. À un moment donné, Manchester City, au mois de février, ils étaient à 8 points. Ils ont terminé champions, donc tu vois, c'est pas non plus définitif. Ouais. Ça veut rien dire, Granit, il pensait à Lille aussi. C'est un derby, chacun jouait son derby. Ouais, d'accord. Enfin, derby, non, pour Londres.
La gestion de Bukayo Saka, elle l'interroge. Bukayo Saka est en passe court vers un record, celui du nombre de titularisations consécutives en Première Ligue. Il en a 86 matchs de suite titulaires en Première Ligue. C'était le cas à Bournemouth le week-end dernier, alors qu'il était un petit peu diminué. Il s'est blessé pendant le match, il est sorti. Il a été incertain jusqu'à ce que le groupe d'Arsenal tombe. C'était même presque une surprise qu'il fasse le voyage avec les autres joueurs. Aujourd'hui, il est titulaire et il se blesse. Ça la fout mal aussi quand même dans cette gestion de Mikel Arteta. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de mettre Bukayo Saka qui avait l'air un peu... Ouais, forcément, ça interroge parce qu'il faut rembobiner. Effectivement, il y avait blessure après le derby face à Tottenham. Donc tu te dis, ouais, il y a eu la Carabao Cup. Donc ok, il n'y a pas de souci, on peut faire la passe là-dessus. Arrive le match face à Bournemouth. Alors oui, c'est un match de Première Ligue, mais tu te dis... Il y a Lens qui arrive, il y a Manchester City derrière, Bukayo Saka, je pense qu'il va faire un pass. Il se trouve qu'il joue. D'ailleurs, il est performant, il est même buteur. Et tu dis que à un moment donné, quand tu as un score qui est favorable pour Arsenal, il va y avoir de la gestion et il va en faire partie. Mais 2 ou 3, 3-0. Il y avait 3-0. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois Saka qui ne sort pas et tout de suite après, il y a ce pépin physique. Donc derrière, tu te dis, bon, là, cette fois-ci, Arteta, il va prendre des mesures, il va faire l'impasse sur Lens. Il se trouve que non seulement... Arteta t'en parle en conférence de presse, bon, même s'il n'y avait pas eu forcément de conférence de presse à Bollard parce qu'il y avait eu un retard avec l'avion, parce qu'il y avait eu des problèmes, notamment des problèmes météorologiques. Donc il te dit, oui, au final, c'était qu'un coup, il peut être compétitif face à Lens. Force est de constater que non, il n'était pas compétitif, bon, même si encore une fois, il s'en sort quand même avec une passe décisive. Donc oui, cette gestion, elle interroge, notamment du côté de Mikel Arteta, à savoir que la saison, elle est quand même très longue. La saison dernière a été quand même très 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 longue avec la Coupe du Monde en hiver, et donc par rapport à ça tu peux avoir de la gestion, d'autant plus que Fabio Vieira t'aurait pu intégrer, encore que quand tu regardes sa rentrée t'es pas forcément satisfait. Mais maintenant cette gestion elle cristallise quelque chose du côté de Mikel Arteta, à savoir que cette saison il y a quand même beaucoup de changements dans cette équipe, et peut-être que Mikel Arteta par rapport à ça il s'est dit qu'il faut quand même que je garde une référence notamment au moment d'attaquer, parce que c'est vrai que si Martinelli était là... Tu penses que Saka est reposé ? Je pense oui. Je pense oui, parce qu'à partir du moment Juste les solutions potentielles, si c'est pas Fabio Vieira, ça aurait été de mettre Gabriel Jesus sur un côté et de faire jouer Nketiah. C'était ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où les références de la saison dernière, qui étaient Martinelli et Bukayo Saka, bon, même si Trossard, on dit ça sur la deuxième partie de saison, il avait quand même apporté des choses, je pense que ça pesait dans la tête de Mikel Arteta. Mais Mikel Arteta, il est comme Arsenal. Enfin, il est plutôt... comme ces joueurs. Cette saison, comme l'a dit Samy, t'es attendu au tournant. T'es attendu au tournant parce que ce que t'as fait la saison dernière, c'est très bien, mais ça te donne aucune garantie. Non seulement en Première Ligue, où la Première Ligue, t'as une compétitivité qui est quand même extraordinaire parce que t'as des équipes qui sont sur de la course à l'armement, mais surtout en Ligue des Champions, où il y a le caractère match coup près qu'Arsenal ne connaît plus depuis une dizaine d'années. Et donc, par rapport à ça, à partir du moment où tu vas affronter un adversaire qui est même pas euphorique quand on parle du RC Lens, mais qui est dans son match en se disant qu'on est à domicile, on est en capacité de faire une grosse performance, et bah Arsenal doit répondre à cette nouvelle donne. Et ensuite, pour moi, il y a le problème épineux du côté d'Arsenal, et surtout du côté de Mikel Arteta, parce que quelque part, c'est lui qui l'a provoqué, c'est que Arsenal est engagé dans une crise de croissance. Quand je parle de crise de croissance, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est la réalité de cette équipe qui, à partir du moment, a changé quasiment sur ce match-là, ou plutôt même sur le début de saison, 50% de son équipe type via le mercato, via des méformes, et bah forcément, ça joue notamment sur l'identité, sur la nature de ton équipe. Je veux dire, par là, l'année dernière, tu avais un jeu de position qui était calibré, avec notamment Thomas Partey, qui était l'épicentre du jeu d'Arsenal. Granit Xhaka, qui avait son rôle, qui était bien défini. Ouais. Granit Xhaka, c'est quand même une quinzaine de buts la saison dernière. Martini, qui était important sur son côté gauche. Bah, ces trois-là, ce soir, ils ne sont pas là. Donc forcément, ça joue sur ta manière d'attaquer. Et ce soir, tu es beaucoup plus prévisible parce que tu affrontes une équipe lensoise qui a ses références défensives et qui est en capacité justement d'annuler ton jeu intérieur. Et ton jeu intérieur a été pauvre parce que Havertz, malheureusement, le pauvre, il s'en sort toujours pas. Il faut qu'il retourne en Allemagne. On a vu Odegaard, il a été loin d'Arsenal. Odegaard, il a été beaucoup plus discret à l'accoutumée. Donc ça va être notamment
l'enjeu du côté d'Arsenal, à partir du moment où tu dois assumer une crise de croissance parce que tu as changé des pièces, il va falloir que cette équipe se trouve et qu'elle soit beaucoup plus compétitive. Est-ce que cette prudence et le fait que Arteta, tu l'as très bien dit, se rassure, je pense, en laissant sa casse sur le terrain, se force, hein, que s'il avait eu le choix et plus de certitude peut-être depuis le début de saison dans la capacité de son équipe à bien faire, et peut-être qu'il se serait privé de Saka, mais est-ce qu'on peut le blâmer pour ça? C'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, on a tendance à vouloir aussi se rassurer et mettre le plus de chances de son côté. Je pense qu'il savait que c'était un match aussi important pour Lens, pour Arsenal, pardon, parce que si Arsenal gagne, ils sont à 6 points. Oui. Et là, tu fais un petit creux, surtout avec le résultat qu'on a vu à côté. Ça aurait été une super... Après, tu peux aussi te dire, si t'es Arteta, que ta saison, elle est longue, que théoriquement... Tu devrais être en position de pouvoir te qualifier dans cette poule-là. Mais là, t'as mis 4-0, t'as mis 4-0 au premier match. Ouais, mais peut-être que la saison dernière, avec justement cette fluidité qu'il y avait dans le jeu d'Arsenal et le fait que. L'Europa League, tu faisais notamment de la rotation. Voilà. Peut-être que là, il aurait osé. Là, je pense que c'est un début de saison et il a plus les mêmes certitudes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une ardoise effacée. On repart sur de nouvelles bases et tu t'appuies sur tes cadres, sur tes soldats, sur tes. Après, ton avis, ils ont quand même eu des occasions. T'as trop ça et tout. Il a. Le sauvetage de Gradit à la dernière minute. Il y a la parade incroyable de Brice Samba. On peut repartir sur ce match-là. Arsenal gagne 2-1 malgré ses difficultés. Après, on peut dire que personnellement, je trouve que Lens n'a pas fait le. J'ai vu Lens meilleur contre le Paris Saint-Germain la saison dernière, par exemple. C'est pas non plus le plus gros match qu'a pu faire Lens sous mes yeux. Lens n'a pas non plus fait une performance. Tu vois, c'est ça où je suis d'accord. Dominique, tu te positionnes où? Est-ce que tu as interprété, quand on parle de tout ce contexte, cela t'interprète cette titularisation de Saka et cette gestion comme une petite crainte qu'avait Arteta, non pas forcément envers les Lensois, hein, même s'il aurait dû, mais une crainte peut-être sur ce qu'était capable de faire sa propre équipe. Oui, peut-être sur quelques doutes qu'il peut avoir sur l'animation et sur son secteur offensif en l'absence de Saka, parce que c'est quand même le joueur déterminant de cette formation depuis un petit moment. Même si c'est pas lui le principal buteur, mais c'est le joueur aussi qui est capable de créer de faire le lien entre le milieu et l'attaque et de trouver aussi les bonnes solutions par la passe ou par les débordements. Et se priver de ce joueur-là dans une compétition comme la Ligue des Champions, comme on l'a dit, c'est une nouvelle compétition pour Arsenal, ils ne l'ont pas connu depuis très longtemps, tu essayes de mettre plus d'armes. Il y avait des joueurs qui l'a découvert. Totalement. Et donc tu mets toutes les armes de ton côté, mais là où c'est dangereux, c'est que tu as un joueur qui est déjà sur une patte après sa blessure face à Bournemouth, qui est incertain pour le déplacement jusqu'au dernier moment. Tu le mets titulaire alors que tu ne sais pas si ça va tenir. Alors voilà, je pense que le staff médical a dû le parler. Je pense que le joueur aussi s'est dit prêt à jouer. Mais tu sentais déjà que depuis un petit moment, il commence à tirer la langue physiquement. Donc là aussi, il y a une question à se poser du côté de l'entraîneur. C'est qu'il faut savoir protéger aussi ses joueurs et notamment ses meilleurs joueurs pour ne pas le perdre plus longtemps que prévu si jamais il venait à se péter gravement. Donc aujourd'hui, tu es censé avoir un effectif assez large, même si tu as des blessures. Ouais, parce compenser que, l'absence. Il joue deux matchs en Arsenal. Voilà, pour compenser l'absence d'un de tes cadres sur un match de Ligue des Champions, tu le fais reposer aujourd'hui et tu le mets pour le match de face à City. Donc, au moins tu fais juste pas démarrer, quoi. Voilà. Il peut rentrer à l'heure de jeu. Et tu vois comment le scénario de la rencontre se fait. Est-ce que le joueur aussi est en capacité de rentrer? Est-ce qu'il se sent bien? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'entraîneur, pour moi, il a une grande part de responsabilité dans le cas Saka, c'est que tu es censé et tu normalement es capable de pouvoir te passer d'un joueur, même si c'est un leader. Sur une rencontre de Ligue des Champions, alors que tu as remporté la première, en son absence, on ne sait pas ce que serait donné au coup d'envoi. Peut-être que son équipe aurait bien joué, aurait créé des occasions, ça on ne le saura jamais. Mais sur l'intégrité physique de ton cadre, tu es censé travailler un petit peu mieux et surtout protéger tes joueurs. Et aujourd'hui, pour moi, Arteta, il ne l'a pas fait. Bon, je vous donne une déclaration de Mikel Arteta sur la blessure de Bukayo Saka. C'est Fabrizio Romano qui relate ça. Mm-hmm. It doesn't look good. Voilà, ah ouais, alors là, donc si alors tu là, le perds tu vois, pour plusieurs semaines. Il a dit aussi il a senti quelque chose de musculaire, nous avons dû le sortir, nous n'en savons pas plus, mais cela ne lui permettait pas de continuer à jouer, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est l'AFP qui sort ça. Ça me paraît improbable de le voir contre City. On aura l'occasion de reparler d'Arsenal dimanche, notamment Arsenal-Manchester City ou Manchester City-Arsenal, je me rappelle. Arsenal-Manchester City. Voilà. Arsenal-Manchester City, ça sera dans le débrief, bien sûr, du Club des 5. Deuxième affiche de la journée. On va être moins long que sur Lens Arsenal. On va parler de la victoire du Real Madrid à Naples. Victoire 3-2 des Merengues avec un but de Vinicius, un but de Bellingham. Un but. Pléonasme. Ouais. Est-ce que le but est accordé à Valverde ou c'est un contre-temps de Meret? Bon, on va le donner à Valverde quand même. On a mis
Les Meringues écœurent le Napoli, Elton. Il y avait quelque chose d'écœurant, il y avait quelque chose de très Real Madrid Ligue des Champions dans ce match-là. Oui, c'est ça, parce que quand en début d'émission on parlait de compétition de la peur et surtout compétition du momentum, et ben le Real, à chaque fois, ils arrivent à avoir le momentum en leur faveur. C'est-à-dire que début de match, enfin, t'as l'ouverture du score précoce de Naples, tu pourrais te dire... Apparemment, c'est pour Meret. C'est pour Meret, ouais, c'est ah, pour Meret. Oui, mais après, tu pourrais te dire, pour ouverture du score de Naples, le Real pourrait s'alarmer, il n'en est rien, ils arrivent à égaliser, ils marquent juste avant la fin de la première période. Bon, ensuite, t'as l'égalisation au début de la seconde période de Naples, et au moment où tu te dis que le match peut basculer d'un côté ou d'un autre, et ben ça bascule du côté du Real Madrid avec cette frappe de Valverde. Donc c'est en ça que le Real incarne cette compétition. Et ça, on le sait depuis toujours quand on parle de cette équipe-là. Et oui, ils écœurent Naples. Bon, même si Naples, c'est un match qui va leur faire du bien. Parce que même s'ils ont perdu, c'est un match qui donne quand même des choses qui sont positives. C'est-à-dire, tu as vu un Kvaratskhelia qui, pour moi, a été au rendez-vous, notamment dans son 1 contre 1 avec Carvajal. Osimhen, il a eu des spots. Et même, bon, la charnière, elle a été un peu plus en difficulté dans sa capacité à défendre sur les grands espaces. Et c'est comme ça qu'arrive le but de Bellingham. Et du côté du Real Madrid, oui, après le match face à Girona, un match face à Girona où tu avais déjà eu notamment l'annonce de ce qui allait être fait ce soir, notamment avec le repositionnement de Camavinga, ce milieu de terrain et qui est en train de devenir titulaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de milieux de terrain. Le milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Kroos, Valverde. Il manque un mec. Hein. Et Bellingham. Et Bellingham, bien sûr, qui va. Et c'était pas chose donnée. Parce mais, ça veut dire que le milieu terrain titulaire du Real Madrid cette saison est sans Luka Modric. Et ben, tu vois, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en début de saison, c'était et Kroos et Modric qui étaient supposés être sur le banc. Après, il se trouve que Kroos, notamment à la faveur de ses performances, parce que Kroos, c'est un joueur historique pour le Real Madrid, et ben, il revient dans la course à tel point qu'aujourd'hui, il faut lui faire une place. Et t'as Valverde. Et en plus, Camavinga est obligé de Camavinga, il est sur le côté de... parce que c'est surtout par rapport... Ferland Mendy, c'est gentil. Ferland Mendy, c'est compliqué. Fran Garcia, c'est pas nécessairement le meilleur défenseur. Ouais. Mais là, t'as entre Girona et ce soir... Et bah, t'as l'affirmation de ce milieu de terrain qui te propose beaucoup d'alternatives, notamment sur le plan footballistique, parce qu'ils ont une qualité technique qui est quand même monstre, et au niveau athlétique, ils sont quand même capables de répondre. Si tu veux, quand je vois Tchouaméni mettre des briques, notamment à ses copains, enfin, ou plutôt à ses adversaires napolitains, il y a quand même des arguments à faire valoir. Donc tout ça pour dire, c'est victoire importante pour Real Madrid, ce qui te permet de faire 6 points face à un concurrent direct pour la première place. Quoi? Non, je vais aimer est-ce que le Real Madrid a des concurrents dès le tirage au sort, je me suis dit bon, le Real va faire premier. Oui, c'est vrai que c'est quand même la théorie, c'est bien, mais il faut toujours valider par la pratique. Mais là, c'est la meilleure configuration. Oui, c'est vrai que gagner à Naples, c'était assez important pour le Real Madrid. Ils l'ont fait. C'était un match assez ouvert. C'était un beau match. Il faut dire c'était cool à suivre. Mais ouais, c'est exactement. Mais le problème, c'est que quand un match est ouvert, généralement, c'est le Real qui gagne à la fin, parce que quand c'est trop ouvert, bah, le Real sait justement saisir l'opportunité, et tu l'as très bien dit, hein. Toi tu nous l'avais annoncé dès la 70e que J'ai dit quand le Napoli commence à pousser et commence à avoir des situations, je me dis c'est bon, ils vont les climer, voilà, c'est sûr. Tu nous l'as dit, préparez-vous à la clim. Et en le disant, on était tous d'accord avec toi parce qu'on l'a tellement vécu. Ah bah ça oui. Et qu'on connaît cette maîtrise aussi de Depuis cette maîtrise, ils l'ont fait régulièrement. Oui, en fait. Oui, on sait. Première journée de Ligue des Champions, ils ont fait ça. Mais c'est ça, quand t'as aussi cet effectif qui a maintenant cette expérience en commun, un Tchouaméni qui a fait sa formation la saison dernière, qui a appris et qui maintenant est titulaire et un bon titulaire il a quand même step up, un Camavinga qui peut, bon, je ne fais pas exprès de citer que les Français, mais bon, je les trouve plutôt bons sous le maillot meringue actuellement, qui peut dépanner à plusieurs postes. On a l'impression quand même que, et en plus le retour de Vinicius qui maintenant te permet un schéma avec Bellingham en 9,5-10. C'est quand même, je pense que ce Real de Madrid, surtout en phase de groupe, ils ont maintenant, là on peut dire d'espérance, parce que moi je suis pas d'accord de parler d'ADN ou autre, parce que parfois tu peux changer toute une équipe, ce que je dis à chaque fois, l'expérience, elle reste pas, c'est pas tu mets le maillot, tu te transformes comme un super-héros Marvel, non, si t'as pas d'expérience, tu l'as. Alors, pas. Beaucoup plus là, de vécu commun. Oui, voilà, là t'as quand même une équipe, c'est des joueurs qui se connaissent depuis un moment, même ceux qui ont été ajoutés récemment, Kvaratskhelia, ça fait maintenant 3 ans qu'il est qu'il en fait, c'est ça, c'est que t'as l'impression ça commence à compter. En fait, il y a les anciens, je pense à Nacho, Kroos, Modric, même Vinicius qui
commence à être ancien des anciens maintenant, même s'il a 22, 23 ans. Ouais, enfin, ça, voilà. Mais qui sont là. Et puis, tu as l'impression qu'aussi que les petits ont été amenés, j'ai oublié Carvajal, les petits ont été amenés au fur et à mesure. Exactement. Et ça. En plus, il se trouve qu'ensemble, ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions. Rendez-vous compte, c'est la sixième saison de Vinicius au Real. C'est ça qui est énorme. Mais il y a une intégration et il y a une intelligence dans la gestion de ces jeunes talents au Real Madrid, où c'était pas forcément leur panacée. Par contre, dans le début de Real Madrid, arrêtez de parler puriste parce que moi je vous fumer sur plein de choses. Non, c'est Real Madrid. Je retiens. Madrid Royal. Pas de souci. Le Real Madrid, qui n'était pas forcément, c'était pas forcément leur réputation et leur façon de faire au début des années 2000, ils ont justement bien réussi à recycler leur effectif avec des jeunes joueurs en les intégrant au fur et à mesure et des jeunes joueurs talentueux, ou alors qu'on n'aurait pas forcément, enfin, à une époque, j'aurais pas forcément parié sur une réussite. Là, c'est tout bénef pour eux parce que ces joueurs maintenant sont bien intégrés. On a l'impression que ce sont devenus, quand on voit Kamavinga, on a l'impression que c'est devenu un vieux briscard de cette équipe, et je pense que ça, pour maintenant passer le premier tour, ça va être compliqué maintenant de voir le Real Madrid sauter au premier tour de la Ligue des Champions. C'est l'échauffement, même si j'aime pas quand on dit on verra maintenant en février et tout, pour le Real Madrid, vraiment pour eux, leur compétition, on le sait, elle commence en février. Il y a quand même des étapes à valider, notamment par rapport à la concurrence interne. C'est beaucoup plus par rapport à la concurrence interne. C'est les statuts qui jouent sur ces matchs-là. C'est leur Ligue des Champions. Pour moi, du côté du Real Madrid, c'est beaucoup plus sa concurrence interne qui va définir le 11 de départ plutôt que de passer à phase de poule. Parce que, à partir du moment où tu as beaucoup de joueurs au milieu de terrain, et Carlo Ancelotti a été encore interrogé là-dessus, c'est vrai que Luka Modric, qui a un rôle résiduel, marginal en Ligue des Champions, ça nous fait bizarre. Mais tu vois, j'ai rarement vu une telle maîtrise du premier tour de la phase de groupe de la part d'une équipe, pas forcément par le jeu, parce que le Real Madrid, c'est plutôt récent, parce qu'il y a deux ans ils sont encore deuxième de la poule, par exemple quand ils tombent contre le Paris Saint-Germain et qu'ils éliminent le Paris Saint-Germain, donc c'était en 2021. Le PSG avait terminé premier de sa poule et était tombé sur Real. C'était l'inverse. C'est Real qui était. C'est en 2018, pardon. 2018, ouais. C'était. 2018, il termine derrière Tottenham. Ouais, où c'était ça, et le PSG. Mais globalement, quand le premier, on se tape le Real, quand le deuxième, on se tape le Real. C'était fait exprès aussi, je pense qu'ils avaient fait exprès, tu vois, tout est calculé. Non, mais. Pour moi, il y a une maîtrise qui est assez bluffante à ce niveau-là. Pour moi, c'est un des seuls clubs. Il y a peut-être eu le Barça Bayern, la grande époque. Le Bayern, ça se ressent. Ça fait depuis 2017 qu'ils n'ont pas points. Mais ce qui est fort pour le Real, c'est le fait que tu domines pas forcément par le jeu. C'est pas forcément clinquant, et c'est juste une maîtrise de la compétition à ce niveau-là qui est assez bluffante. Le Bayern, il faudrait que je regarde, ils sont à combien de victoires de suite en poule, le Bayern? La dernière défaite, c'était Carlo Ancelotti. Non, même match nul, parce qu'ils font 18 sur 18 l'année dernière. Là, ils sont à 2 sur 2. Il y a un match nul. Contre l'Ajax en 2018. Ouais, t'imagines, en poule, je pense qu'ils ont. Faudrait que je regarde. Je vais regarder ça. Mais sinon, ça met du tarp à tout le monde. Si on s'intéresse à une perf individuelle, on a beaucoup parlé du Real récemment, donc on va pas non plus faire très très long sur le Real. Mais Dominique, j'ai quand même envie de parler d'Aurélien Tchouaméni un peu aujourd'hui. Alors, parce que Samy le disait, il fait un très très bon début de saison. Il avait perdu sa place au fur et à mesure de la saison l'an passé, mine de rien. C'est ça qui était intéressant, et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'évolution que peut avoir Aurélien Tchouaméni, c'est que ça avait très bien démarré et puis ensuite il avait un peu perdu sa place au profit de Kamavinga, par exemple. Il avait fait des petites erreurs de comportement. Ça avait joué sur le terrain. C'était pas le fameux match de basket pendant que le Real joue en coupe. Qui avait beaucoup fait grincer des dents. C'était le match de NBA. Il a montré que le Real Madrid, c'était pas bon à coup. Mais ça n'empêche que là, cette année, Aurélien Tchouaméni, le début de saison, il aimante les ballons. Dès qu'il y a un corner défensif ou offensif, c'est pour lui. Il se trompe peu. Il frappe de loin. Il récupère énormément de ballons aussi. Là, on a vu les stats de ce soir. C'est 13 sur 13 en duel gagné. Bon, on a un joueur qui a lui aussi su montrer que le milieu du Real Madrid, c'était avec lui. Et on voit après les autres, mais on met lui.
Oui, aujourd'hui, il a su gagner sa place dans l'esprit aussi de Carlo Ancelotti, puisque voilà, on l'a dit qu'il y avait pléthore de joueurs à son poste, et il y en a toujours. Et le fait de pouvoir reléguer sur le banc un joueur comme Modric, alors voilà, il faut aussi mettre en perspective que Modric n'est plus capable de jouer tous les matchs titulaires toute la saison. Mais le fait de même pouvoir... si lui n'est pas content. Oui, ouais, c'est lui, un compétiteur, il a pas trop, ouais, évidemment. Mais... il a donné une interview au mois de septembre en disant si je suis resté au Real, c'est pas par rapport à mes mérites passés. Oui, bien sûr. C'est un petit message. Genre, en gros, j'ai le niveau, les copains. J'ai le niveau, mais Carlo Ancelotti, on sait très bien que c'est un très bon meneur d'hommes, mais il sait parler à ses joueurs et ça, il a su aussi lui faire comprendre qu'il y a de la concurrence, qu'il y a aussi un certain bagage physique qu'il n'a peut-être plus et que Aurélien Tchouaméni le remplace à ce niveau-là, il le remplace de très, très belle manière. On l'a encore vu ce soir, tu l'as dit dans les duels gagnés, mais dans son abattage aussi, dans cette capacité aussi à protéger sa défense, même s'ils ont quand même concédé pas mal de situations. Donc je ne dis pas que c'est de la faute que de Tchouaméni, parce que c'est une animation défensive aussi à retrouver, mais les joueurs napolitains ont eu pas mal de situations. Mais sur la prestation individuelle de Tchouaméni, avec son entente avec Rousse, qui commence aussi à se parfaire, ce sont des joueurs qui se connaissent depuis maintenant plusieurs saisons, il nous montre qu'il est capable aujourd'hui d'être un élément clé et fort, et surtout sur la durée, pour ce Real Madrid. On l'a encore vu ce soir, que ce soit pour son apport défensif, mais aussi offensivement, on l'a vu sur les corners, on l'a vu reprendre quasiment tous les ballons de la tête. C'est un joueur qui est capable aussi de se projeter un peu plus vers l'avant, on l'a vu se créer une belle frappe, notamment en première période, et je ne vais pas dire qu'on redécouvre, mais c'est un joueur qui nous a montré tellement de bonnes choses du côté de Monaco. À l'échelle supérieure du Real Madrid, il fallait le confirmer. Et on le voit depuis le début de saison, ou en équipe de France, et on le voit depuis le début de saison avec cette équipe-là, avec cet effectif, avec aussi la confiance de son entraîneur, parce que ça, c'est très important. On l'a dit la saison dernière, il avait perdu sa place, et je pense que ça lui a fait du bien, ça lui a mis du bon dans la tête, parce qu'il n'était pas encore arrivé. Aujourd'hui, avec du travail, avec de la détermination et de la confiance de son entraîneur et de ses partenaires, on voit que c'est un joueur qui est capable de rayonner sur le milieu de terrain. Ça demandera encore confirmation, la saison est encore très longue. On parle d'un club comme le Real Madrid, qui a énormément de joueurs, et on sait très bien parce que quand les choses sérieuses commencent, ça peut rapidement changer. Exactement, et que la concurrence est toujours vivace, mais ça aussi, ça va le maintenir en alerte pour continuer à aligner ce genre de prestations. Je suis en train de me faire les stats du Bayern, hein. C'est effrayant. C'est très très effrayant. Donc la dernière fois que le Bayern a concédé des points en phase de poule de Ligue des Champions, c'était le 1er décembre 2020. Donc c'était contre l'Atlético de Madrid, c'était la cinquième journée de cette phase de poule. Ah oui, je m'en rappelle. Donc je crois que c'est le premier match de Moussa. Sinon depuis, c'est 15 victoires de suite en phase de poule. Ouais. Donc ça fait deux phases de suite et là c'est le counting. Donc ça c'était en 2020-2021. Ouais. La 2019-2020, ils font 18 sur 18. Mais ils ont gagné celle d'avant. Il y a eu deux matchs nuls la fois encore d'avant. Et la dernière fois qu'ils ont perdu un match, c'était face au Paris Saint-Germain. Au parc, en 2017-2018. Ah ouais. Voilà, donc bon, pas mal les phases de poule. Mais tu sais, Romain. Pour revenir reviens à Tchouaméni. Sur Tchouaméni, ça me fait penser à une phrase que Carlo Ancelotti avait dit lors de sa première étape en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'était à l'époque où il y avait la succession de Xabi Alonso qui était ouverte. Et lui, il t'expliquait que le milieu de terrain placé devant la défense devait non seulement défendre et s'épanouir dans un océan. Manière de dire que tu es au Real Madrid, il risque d'y avoir beaucoup de transitions. Et là où tu seras attendu, ce sera sur ta capacité justement à court-circuiter ces transitions, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dommages. Et là, par rapport à ça, Tchouaméni, et c'est ce qui a manqué à Camavinga lors du derby, et où il avait été notamment signalé par la presse espagnole, Tchouaméni, il te permet ça. On l'avait vu lors du match contre Girona, sa capacité justement à défendre aux abords de la surface avait été très important pour le Real Madrid, et donc très important pour Tchouaméni, pour la simple et bonne raison qu'il avait court-circuité, il avait récupéré des ballons chauds. Et c'est en ça que justement, il a une place qui fait de lui un joueur légitime. Mais attention, quand on est au Real Madrid, t'es un joueur légitime, mais pas nécessairement indiscutable, parce que t'avais quand même eu la non-titularisation face à l'Atlético de Madrid, c'était quand même un signal qu'il y a encore du chemin à faire pour Tchouaméni. Même si pour moi, je n'avais pas entendu, mais toujours est-il que par rapport à ce qu'il fait sur le début de saison, et ça n'a pas commencé seulement sur le début de saison, dès la pré-saison, il est arrivé, il était au taquet. Hein. Mm. Il était vraiment au taquet, il était vraiment très important, et là, il continue comme ça, et là, il a vraiment une place qui fait que notamment dans cette optique justement de défendre cet océan, pour reprendre les mots de Carlo Ancelotti, et ben aujourd'hui Aurélien Tchouaméni a personne à plus indiquer. Parce que j'ai donné la parole à Samy, mais ce qui est en plus, bon, forcément t'as la pression quand tu joues au Real tous les week-ends, on la connaît et tu dois appréhender cette pression-là, mais en plus ce poste-là,
Carlo Ancelotti parlait de Xabi Alonso, celui qui l'a remplacé après c'est Casemiro. Ah oui, c'est ça. Il a eu un petit palmarès à ce poste-là en étant intouchable de chez intouchable dans ce milieu-là. C'était l'année dernière une saison de transition pour savoir qui allait reprendre ce rôle-là. Voilà, il y a eu une petite bataille, etc. C'est un vrai rôle, c'est une vraie responsabilité d'être le garant du milieu de terrain en fait, de cette équipe-là. Ouais, il a un rôle important et je trouve aussi que... Excusez-moi, je trouve aussi qu'il... Tu veux de l'eau ? Non, non, c'est bon, j'ai de l'eau en plus. Non, non, c'est juste de l'eau. En plus, je l'ai bien entamé. Hein. Je fais un gros pipi. Désolé, vous êtes au courant. Puis t'as 12 ans quoi. Pourquoi ? Je vais faire un gros pipi. Mais je veux dire quoi ? J'avais pas entendu ça depuis le collège. Je dis quoi ? Je vais faire quoi ? Je vais pisser. En plus, à la base, je partais sur un gros pissou. Je voulais être en mode gentil, tu vois. Ah, on vient de campagne, nous, à la base. Tchouaméni. Revenons à des activités. Et donc, oui. Et je trouve aussi que il incarne maintenant aussi ce qu'est le Real Madrid. Il a compris parfaitement aussi l'esprit et ce que fait la Maison Blanche. Je trouve dans ses interviews, dans sa mentalité, il a quelque chose. Il incarne vraiment bien la Maison Meringue, parce que tu sens que maintenant, je trouve qu'il y a eu pas mal de fois où tu sentais que cette exigence de la réussite, cette exigence du travail, de la rigueur et tout, il l'a intégré. Et ce qui est fort aussi pour moi, pour ce genre de joueur, pour moi, un joueur devient très bon quand son prime, en fait, parce que voilà, Tchouaméni, on l'avait déjà vu bon, tu l'avais dit, sous le maillot de Monaco, il avait fait, mais ça manquait de régularité, quoi. On savait son potentiel, ce qu'il pouvait faire, on l'avait vu aussi à un moment, il y avait des passages à vide. Il y avait des passages à vide, mais ouais. Quand tu réussis à ce que ton prime soit ton quotidien, et que en fait, parfois, tu fais des matchs encore plus forts que ton prime, c'est là où, pour moi, tu as franchi une étape. Et c'est ce qu'il est en train d'atteindre avec ce maillot du Real. Et je suis tout bonnement impressionné, parce que j'en étais pas forcément convaincu. Je trouvais que voilà, la relève, tu l'as dit, était compliquée. C'est pas facile. Il faut avoir plus que des qualités de joueur. Il faut rentrer dans les pompes. Pour réussir, il y a quand même beaucoup de choses. Le Real Madrid, c'est un club à part. Et ce qu'il est en train de nous faire, et parce qu'il est encore très jeune, hein, s'il s'installe, s'il continue de cette manière sur cette saison, et qu'il réussit à reproduire au quotidien, toutes les semaines, ce genre de performance, ce qu'il est en train de faire depuis le début de saison, je pense qu'on a un joueur qui est là pour au moins, parce qu'il est encore jeune, qui est là pour au moins encore presque une dizaine d'années. On n'a pas tout vu, parce qu'il y a des axes d'amélioration, notamment sa capacité à être décisif. Je vous rappelle que samedi, c'était seulement son premier but avec le Real Madrid. Alors bien évidemment, c'était le premier but avec le Real. C'était le premier but face à Girona. Toujours contre nous, ça. C'est ça. C'est pas forcément la priorité, mais notamment dans cette capacité justement à apporter une plus-value sur le jeu offensif. Je vous rappelle, à Monaco, il nous a quand même offert des séquences de grosse qualité, notamment sur sa capacité à accompagner le jeu offensif. Alors oui, il y a des créateurs du côté du Real Madrid, mais ok, Tchouaméni, sa priorité, c'est justement d'être le garant notamment des transitions défensives du côté du Real Madrid, mais je pense qu'il peut aussi apporter offensivement avec notamment sa qualité au pied, son jeu long, etc. etc. Donc pour moi, on n'a pas encore tout vu du côté de Real Madrid. Ce qui est bien aussi, juste pour finir, c'est qu'il le fait à sa manière. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de copier ses anciens... Non, il ne fait pas du Casemiro, il ne fait pas du Xabi Alonso, c'est vraiment à sa manière, et je trouve qu'il impose une sorte de personnalité à la Tchouaméni, qui est plutôt intéressant. C'est ce qui est attendu du côté du Real Madrid. Mais c'était pas gagné d'avance. Et pour le coup, c'est très intelligent du côté du Real Madrid, à partir du moment où ils savent très bien que et Casemiro, et Kroos, et Modric, ils sont inimitables. Il fallait pas aller dans le clonage, il fallait trouver d'autres qualités. Et la qualité principale, notamment pour ces milieux de terrain, ça va être d'être des milieux dominants. Reste à savoir comment. Voilà pour Tchouaméni, on a beaucoup parlé du Real, donc on va s'arrêter là pour le Real. Un petit mot du Napoli. Le Napoli de Rudy. On a cru que Rudy allait faire un coup en Ligue des Champions. Hein. Franchement, on y a cru. Hein. Quand il y a eu l'ouverture du score, Elton, il m'a regardé, il m'a fait « Oh, Rudy !» Comme s'il avait oublié. Le Napoli de Rudy Garcia donc, s'est incliné aujourd'hui. Paradoxalement, ce n'est pas le plus mauvais match qu'a fait le Napoli depuis le début de la saison. On savait que la saison allait forcément être compliquée, Dominique, parce qu'il y a eu l'objectif qui paraissait inatteignable l'année dernière qui a été atteint, ce titre de champion. Il y a eu en plus un joli parcours européen avec ça. C'est pas facile de remplacer un Spalletti, d'arriver et d'essayer de déconstruire, mais en même temps renouveler, de pas trop déconstruire, mais en même temps renouveler. Est-ce que ça explique les difficultés que pourrait avoir un petit peu Rudy Garcia, sachant que voilà, il ne convainc pas encore complètement de l'autre côté des Alpes. Oui, bien sûr. Après, tu passes derrière un entraîneur qui a gagné un titre
qu'on n'attendait plus du côté de Naples depuis les années Maradona. Donc forcément, arriver derrière ça et pouvoir te hisser au même niveau avec un effectif voilà, qui a peut-être aussi énormément donné la saison dernière et qui, mentalement aussi, faut savoir le digérer ça, et surtout l'assumer, ce nouveau rôle, ça peut être compliqué. C'est un entraîneur qui a eu des débuts que je ne juge pas trop mauvais, parce que même s'il y a eu une période un peu creuse, là, les deux dernières rencontres en championnat, ils les ont remportées. Là, il y a cette défaite, mais dans le jeu, ils ont su bousculer aussi. On voit les résultats du Napoli depuis le début de la saison. Il y a eu la défaite à domicile face à la Lazio avec l'enchaînement sur le Genoa. Puis une Lazio qui n'est pas ouf non plus. Ouais, le Lazio, c'est pas le meilleur. Début de saison compliqué. Ouais. Il y avait eu la victoire contre Braga, qui avait été en fait une petite respiration dans cette période de match compliqué en Serie A. Et puis il y a les deux victoires par la suite, un peu comme Lens, où ça avait un peu lancé la saison par la suite. Où tu retrouves un petit peu plus de confiance, et tu as aussi des cadres. Bah, je pense notamment à Osimhen, qui était dans le dur et qui, là, on l'a retrouvé. Moi, je l'ai trouvé bien en jambes ce soir, même si voilà, au niveau de la finition, ça a manqué encore un petit peu. Mais voilà, la une situation. Une très belle parole de Kepa, sur la tête de Osimhen. Mais la situation, elle est pas évidente pour Rudy Garcia. Et, pour l'instant, il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui demandera? C'est d'aller chercher le titre une nouvelle fois avec Naples, alors que Spalletti, donc lui, a su le faire, mais c'était à force d'un travail quand même qui a été effectué sur plusieurs saisons. Ça paraît un peu compliqué pour lui d'atteindre cet objectif-là, avec cet effectif-là, parce que, comme je l'ai dit, moi, je trouve qu'aujourd'hui, alors, je ne dis pas qu'ils ont surperformé la saison dernière, pas du tout, mais pouvoir aligner deux saisons du même calibre, avec la même intensité et on va dire, la même mentalité de gagneur avec un entraîneur différent, c'est pas évident. Donc voilà, tout dépendra de ce qu'on attend de lui, de ce que ses dirigeants attendent de lui pour cette équipe du Napoli, mais du moins sur cette campagne en Ligue des Champions, voilà, il gagne le premier match. Aujourd'hui, c'est pas un déshonneur de perdre contre le Real Madrid, au contraire, tu fais une bonne prestation parce que le match était intense, parce qu'il y avait deux bonnes équipes sur le terrain. Maintenant, il va falloir valider cette qualification-là en terminant deuxième. Est-ce que, juste avant que je te donne la parole, Elton, Samy, est-ce qu'il y a un scénario qui existe dans lequel Rudy Garcia a réussi sa saison? J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, ça a l'air mort. Quoi. C'était ce que je voulais dire, c'est que c'est compliqué quand même. On peut le critiquer, Garcia, on peut ne pas l'aimer, il y a beaucoup de choses, on peut en rire et tout, ça peut être sujet de raillerie, mais je trouve qu'il faut avoir quand même des corollaires pour reprendre le flambeau après une telle saison. C'est-à-dire que les attentes, quand on vit une saison comme ça, où il y a un storytelling, il y a il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx nerveux qui est mis dans cette course napolitaine. Tu l'as dit, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de titre. Quand tu atteins ce Graal, c'est très compliqué de reprendre cela et de relancer les machines, de retrouver des leviers pour motiver les joueurs. Parce que là, tu as tout un effectif, je ne veux pas dire qui est rassasié, mais qui a tout donné pour atteindre un objectif. Maintenant, tu leur dis quoi? On va gagner la C1? Là, par contre, c'est un objectif démesuré. On sait que c'est compliqué. Donc, forcément, ça va être très dur pour Rudy Garcia de réussir une meilleure saison. Car même s'il gagne le titre, il n'y aura pas la même, il n'y aura pas la même folie, il n'y aura pas la même aura autour de ce titre tant attendu. Et donc, forcément, on aura un goût de... pas forcément un goût de déjà vu, mais ça n'aura pas la même saveur. C'est comme quand tu découvres un plat, tu le trouves très bon, c'est extraordinaire. Quand tu le remanges, c'est dur d'obtenir les mêmes sensations. T'as vu, j'ai utilisé de la nourriture parce que j'aurais pu aller plus loin, mais j'ai rien dit de quoi tu parles. Je parlais de la découverte d'un film ou autre. C'est toi qui as l'esprit. Ça me fait la même chose avec les riz, les petits pois. Voilà, mais vous avez l'esprit très mal placé. Je vois pas de quoi. C'est toi tout de suite qui a eu des idées bizarres. Ça, je sais pourquoi tu dis ça. C'est pour que tu puisses faire tes petites capsules sur toi-même. Pas du tout. Pas du tout. Et que tu commences à nous mettre là comme ça. Oh, je suis un coquin. Ça va, on a compris. On a compris. C'est bon. Pas du tout. Pas du tout. Je ne mange là vraiment. Je ne mange pas de sapin là. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai quand même que ce sera, quoi qu'il arrive, compliqué pour Rudy Garcia. Et je pense que les gens vont être injustement plus exigeants pour Garcia. Et c'est vrai que lui, en plus, avec son style, parce que je pense qu'il peut performer avec cette équipe de Naples. Aujourd'hui, il n'y a pas péril en la demeure. Il s'est bien repris avec deux très belles victoires, avec 4 buts dans chaque rencontre. Donc je trouve que voilà, perdre contre ce Real Madrid, encore une fois, c'est pas infamant, même si surtout ça ne les met pas en danger pour le reste de la compétition. Moi, je pense que Naples va sortir de cette poule en deuxième position. Donc dans l'absolu, en championnat, ils sont pas largués, il y aura toujours possibilité de faire. Donc rien n'est fini, c'est pas non plus un début de saison catastrophique, c'est pas le meilleur début de saison, mais c'est pas non plus le début de saison que certains veulent dépeindre. Je remercie d'ailleurs rien à voir, mais je remercie Bedip sur le chat Twitch, qui a pris un abonnement de niveau 1 pour 6 mois.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, merci, merci. On sait que sur Twitch, vous êtes un peu moins et vous inquiétez pas, on voit vos messages. On essaie de les relayer. Ça veut dire quoi en termes d'oseille, là? Nous, on veut savoir, c'est quoi, parce que tu parles de... tu parles chinois niveau 1, je te parle 6 mois, nous on veut de l'oseille, c'est quoi? Je te paierai un grec si tu veux. Ah, ok, d'accord. Et donc, merci, on sait que vous êtes un peu moins, mais s'il y a des messages qui sont en rapport avec les débats qu'on a, on essaie de les lire. Moi, en tout cas, j'ai les chats devant moi, donc j'ai... Merci Mehdi, plaisant. Pourquoi Mehdi? T'as pas dit Mehdi? Bédip. Bédip, j'ai dit. Ouais. Bon, bah merci Bédip aussi, les hommes, il n'y a pas de souci. Hein. Elton, en plus, je vais. C'est pas pour essayer de défendre Rudy Garcia aussi à tout prix, hein, mais il y a certaines individualités du Napoli qui, depuis le début de saison, ne répondent pas trop. Je pense à Kvara qui, bon, là, ce non, soir. Même s'il y a du fait, mieux, ouais, ce fait, soir, fait un bon match. Une semaine, ouais. Ouais, fait un bon match, mais le début de saison de Vizca Kvaratskhelia, il n'est pas. Ouais. Il n'est pas bon au niveau statistique, mais pour moi, c'est tout l'enjeu parce que. Tu sais, moi, Romain, il y a une personne qui pouvait reprendre Naples sans qu'on lui avance le spectre de Spalletti. C'était Pep Guardiola. C'était Pep Guardiola pour des raisons évidentes, à mais savoir que voilà, c'est Pep Guardiola. Il avait gagné beaucoup ouais, plus. C'était Pep Guardiola, c'est qu'à partir du moment où son rôle notamment de coach ne se discute pas. Pour un club aussi, ça aurait été... Ouais. Beaucoup plus Pep Guardiola, parce que Pep Guardiola, ça parle à tout le monde. Ah bon à partir du moment où c'est Rudy Garcia, même si c'était... un autre entraîneur que Rudy Garcia, il y aura toujours le spectre long de Spalletti parce qu'au final, c'est très difficile d'arriver après un entraîneur qui a réalisé quelque chose d'historique. Qui se souvient de l'entraîneur post-Jackson après les Bulls? On se souvient notamment de Lopetegui post-Zidane. Même Pep Guardiola, et c'est pour ça que je te dis ça, Pep Guardiola, après le Bayern d'Ainkes, il a souffert de cette comparaison en se disant « Ouais, mais Pep Guardiola, lui, il n'a pas gagné la Ligue des Champions ». Donc tu vois, c'est quelque chose de très compliqué et ça joue aussi notamment au niveau interne où il va falloir remobiliser des gars qui, en plus, ont fait quelque chose qui n'est pas habituel du côté de Naples parce que le dernier titre, c'était à la fin des années 80. Et ça, forcément, pour remobiliser les troupes, c'est quelque chose de très compliqué parce que là, tout l'art notamment du métier d'entraîneur à Naples, ça va être proposer quelque chose sans tout casser. Parce que la logique, ou plutôt... pour un nouvel entraîneur, ça voudrait de se démarquer par rapport à ce qu'a fait Spalletti. Mais encore une fois, on parle d'un groupe voilà, qui est bien construit, qui est bien défini. Bon, même s'il y a eu des départs cet été avec notamment Kim. Mais pour autant, il va falloir les remobiliser. Et c'est beaucoup plus sur cette capacité à toucher le groupe que Rudy Garcia va être attendu tout en étant compétitif. Et là, quand tu vois notamment les soubresauts avec Vara, avec Osimhen, Rudy Garcia est dans une optique où justement, il doit convaincre et séduire. Donc c'est pour ça qu'on met gagner et convaincre, et ben c'est les deux choses qui vont être très importantes pour Rudy Garcia. D'ailleurs, si on peut remettre une dernière fois, on terminera là-dessus. Tu sais qui entraîneur après Phil Jackson chez Bulls? Au Bulls, je ne sais même plus. Si on revoit la composition du Napoli, on voit quand même que c'est une ossature qui est largement. Non, même si tu n'avais pas la charnière titulaire. Là aujourd'hui, tu n'as pas la bonne charnière, mais Di Lorenzo, c'était titulaire l'année dernière. Zielinski, Lobotka, Zambo, c'était le milieu de l'année dernière. Kvaratskhelia, Osimhen et potentiellement Politano, c'était l'année dernière. Voilà, il y a eu à peu près. Il y a Mario Rui et Elmas qui s'inséraient, qui étaient dans cette équipe-là, mais sinon, c'est quasiment la même chose. Oui, il n'a rien réinventé. C'est difficile. Mmh. C'est difficile quand tu as. Voilà, encore plus, alors, quand tu dois remplacer un entraîneur champion d'Italie, alors qu'il ne l'avait pas été depuis 35 ans, c'est compliqué, mais encore plus si tu as toute ton ossature qui est toujours là et donc les statuts qui ont été gagnés, et c'est normal. Via le fameux via le changement succès. De la continuité mais disons, avec un groupe qui a gagné. Mais autant j'aurais eu des doutes sur Rudy Garcia, sur sa façon de renouveler tactiquement, parlons purement football, cette équipe de Naples, autant je pense que dans le management, où lui il a aussi ses petits trucs, il l'a montré dans les différents clubs, c'est peut-être là aussi sa force. Et heureusement pour lui, c'est son truc. Après, c'est quelqu'un. Enfin, sa force, c'est rapidement cyclique. C'est un homme, oui, mais il l'a prouvé quand même à un certain moment. Il sait quand même. Ça marche tant que ça marche. Oui, mais il sait remobiliser. Il a quand même ce côté, ce contact humain, ce dialogue avec notamment son clan des sages qu'il a fait quasiment, qu'il a fait dans tous les clubs où il est passé. Je pense sincèrement qu'il peut jouer cette carte-là. Et c'est ce qui sera utile à cette équipe de Naples. On le voit, il y a peu de changements. C'est ce qui sera utile peut-être pour essayer de renouveler un petit peu les organismes et surtout les têtes. Bon. Ouais, parce que pour moi, c'est surtout au niveau mental. Oui, parce que le titre de champion d'Italie, il est bien. Il faut trouver la bonne carotte. Mais encore une fois, on parle de joueurs, c'est peut-être ça va être sûrement le titre le plus important de leur carrière. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vois, on a regardé le 11 de départ et avec tout le respect qu'on doit avoir pour ce 11, je ne pense pas que ces gars-là
Alors peut-être un ou deux, ils vont jouer des finales de Ligue des Champions. Donc c'était peut-être le plus grand titre de leur carrière. Et donc par rapport à ça, il va falloir leur expliquer. Quand tu dis un ou deux, je vois de qui tu parles. Ouais, ok, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Mais la vie continue, entre guillemets. Bon, après, la vie à Naples. Est-ce qu'on a des... En régie, vous allez me dire, faites-moi... Mon oreillette, elle marche plus, donc vous allez me le dire avec des signes. Est-ce qu'on a des résultats ou des classements ou des trucs de ce genre-là? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. On m'a fait des grands gestes, non, pas du tout. Manchester United, tic-tac. Non, mais, non, non, mais ça, j'aurais voulu montrer le groupe de Lens ou de... Entendez la vie. Voilà. Allez, c'est bon. On va passer à la dernière partie de l'émission. La dernière partie de l'émission, c'est le moment Winamax. Alors, on vous rappelle, pour tous ceux qui sont avec nous, qui suivent le Club des 5 depuis la reprise pendant la Coupe du Monde, le moment au tableau, c'est quoi? C'est notre petit moment prono. Où en gros, on vous propose des cotes et on se fait un petit classement entre nous parmi ceux qui arrivent à passer leur prono. Bien sûr, on va rappeler ce qui a marqué ici en jaune. C'est très, très important. Jouer comporte des risques. Les jeux sont interdits aux mineurs. Donc, si vous êtes mineur, on se met de côté. Si vous êtes majeur, bien sûr, on fait attention aux mises que l'on met. D'ailleurs, nous, en émission, on ne vous dira jamais mettez telle mise sur telle cote. On va vous proposer les cotes. Nous, on se fait notre jeu entre nous pour essayer de faire passer nos cotes et avoir notre petit classement. Mais bien sûr, on fait attention aux mises que l'on met et il ne faut pas tomber dans ce qui est une addiction. Si vous avez n'importe quel problème, vous avez le numéro qui est écrit juste en dessous. Classement, parce qu'il a évolué ce classement. Il y a quelqu'un qui n'était pas là et qui est rentré directement. Quel beau classement. Moi, je vous dis honnêtement, hein, comme je sais que je fais un peu moins d'émissions que Sam, je pars sur une idée d'être à 100%. Je veux juste être à 100%. Ouais. Un pari, ouais. Un pari rentré. Donc voilà, donc okay. Là, j'ai tenté une toute petite cote. C'était quoi 86. J'ai mis Braga ou nul. Ah oui, tu l'avais dit. J'aurais voulu être un peu plus audacieux. C'était à 86, mettre... Braga ou nul à Union Berlin. Ouais, t'imagines si t'avais mis Braga. Le scénario à la fin. Ah ouais, je le voyais Braga. Mais bon, c'est joué à peu de choses. Non, fais ça, c'est mais voilà. Sinon, Mohamed, bon, bah, c'est pas passé. Il a mis doublé de Lautaro, c'est pas passé. On a eu du Najim qui nous a émis. Ouais, Najim, il a émis quoi? Il a émis le nul entre le Napoli et le Real. Ouais. Bien joué, Najim. Bon, merci. Abdel qui nous a émis les deux équipes marquent sur Manchester Galatasaray et Manchester gagne. Merci, ouais. Merci Abdel. Il nous a envoyé des messages d'insultes sur Casemiro sur notre conversation. Voilà. Ah ouais. Casemiro cause un penalty et prend un rouge. Et du coup, moi quoi. Ouais. Moi c'est bon. Attends, est-ce qu'il n'y avait pas un autre? Si, toi, Elton, t'avais dit quoi toi? J'avais mis match nul, Salzbourg. De Paris 0, c'est nul quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tu me dis si tu veux des conseils. T'es pas Dominique quoi. Non mais c'est un début de saison. C'est un début de saison à la Lensoise et après quand on va carburer, on va rapidement. On nous dit que la cote de Vinicius et Bellingham qui marquaient les deux dans le match, c'était à 20. Ah, c'est fini, c'est plié. Ouais. Ça aurait été bien. Hein. Ouais. Ça aurait été bien. Pas faire un truc comme ça durant la canne. On passe au pronos de demain. Demain, il y a encore une journée de Ligue des Champions, donc il y aura une émission, donc on pourra faire le bilan après demain. Je vais commencer par ceux qui ont zéro. On va aller comme ça et puis on terminera par Samy qui est devant nous. Comme souvent. Dominique. Dominique, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors Dominique, il faut savoir que c'est le meilleur élève. Il nous envoie à chaque fois les pronos avant que Samy se réveille, puisqu'il est 14h quoi. Et donc il nous envoie ses pronos comme ça. Il est toujours le premier à nous envoyer les pronos avec la bonne cote, etc. Mais pourquoi ça passe pas, Dominique? Pourquoi ça passe pas? C'est comme en contrôle, tu donnes ta copie en premier, c'est pas nécessairement bon. C'est pas mon signe. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Bon élève. Alors Dominique, pourquoi Dortmund va taper le Milan demain? Parce que c'est audacieux, le Dortmund qui tape le Milan. Oui, non. Attends, c'est à Dortmund. Ouais. Ah, c'est audacieux. Ouais, mais faut tenter. J'ai vu une équipe de Dortmund qui, même si face au Paris Saint-Germain, s'est montrée un peu trop timide. Je pense qu'en championnat, a trouvé des bonnes choses sur les dernières rencontres, même s'il y a eu du bon et du moins bon. Mais c'est une équipe qui à domicile aussi est capable d'enflammer les rencontres. Enfin, c'est une équipe du Milan qui est plutôt sur une bonne série. Il y a autour de Mike Maignan aussi qui me fait un petit peu peur sur mon prono. Mais je me dis quand même que cette équipe de Dortmund a les capacités. Parce que je ne trouve pas cette équipe de Milan... Sûr de ton karaté d'homme. Oui, non, mais l'équipe du Milan, pour moi, cette saison, même si ça engrange des points, ne me fait pas un effet extraordinaire. Et je pense que sur cette Ligue des Champions,
elle a encore un petit peu de mal et je vois bien cette équipe de Dortmund voilà, faire. Tu vois Füllkrug différence. Mettre un but à. Ah, je vois Sébastien Haller aussi. Peu importe qui marque, qui gagne. C'est parce qu'il manque. J'ai l'impression que c'est un déjeuner. C'est Harlem Globetrotter ce que tu m'as cité là. Non, c'est pas ça, mais Dortmund. Mais Dortmund, c'est pas comme s'il. Il n'y a pas mieux. En fait, moi, je ne veux pas du tout sur le contre Dortmund. Peut-être que Dortmund. Je me suis pris un coup de jus là. Peut-être que Dortmund va taper le Milan, mais il n'y a pas plus tranquille comme match. En regardant les matchs, c'est vrai que je me suis posé la question. J'étais parti un peu sur le niveau classement. Attends, tu sais, le principe, c'est pas d'avoir zéro. C'est pas de. Oui, c'est pas handicap en fait d'avoir zéro. Non, mais. Écoute, ouais, peut-être que. J'avais tenté des choses. Merci à monsieur Follarine de m'avoir raté des pénalties face à Nice. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Voilà, merci à Liverpool de finir le match à 9 face à Tottenham. Donc, bon, voilà, au bout d'un moment, on veut bien analyser. Sur le toujours par deux choses. Il y a deux pénalties ratées, il y a deux cartons rouges. On verra demain ce qui se passe. Hein. Ouais, bah, si vous, contre leur camp de Dortmund, ça peut être pas mal. S'il y a deux CSC d'Emre Can, hein, voilà. Vous savez d'où ça vient. Elton. Oui. Ouais, oui, ça rapproche. Bon, j'en sens pas bon cette histoire. Je me rappelle plus ce que t'as proposé. Je suis parti sur. Ah oui, c'est vrai, il est rentré dans la rédac. Il a dit les gars, je réserve Feyenoord ou nul à 2-15. Bah vas-y, ok, personne. Là, okay. Genre, tout le monde allait foncer sur le Feyenoord ou nul. Non, mais parce que sinon, Antoine, il va m'envoyer des messages. Ça va il joue qui Feyenoord? Ouais. Ils se déplacent à Atlético. Oh ouais, toi aussi. Vous aimez que les problèmes. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Vas-y, c'est vas-y, même vas-y, pas à domicile. Non. Sauf Vanda Metropolitano. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Quand j'ai fait ce pari, j'ai pensé à Walid Acherchour. Bon, c'est bon, c'est qu'est-ce que dit Walid Acherchour? C'est le mec à zéro dans le classement. Non, mais laissez-moi terminer. Il a fait zéro podium depuis. Qu'est-ce que dit Walid Acherchour? Il a une théorie. Sa théorie, c'est la théorie du match de 18h45. Il arrive vite dingue. Ah non, c'est ma théorie. Ah, ok, c'est ta théorie. La théorie de la dinguerie de 18h45, c'est ma théorie, mais justement, j'attendais la journée de demain pour dire que c'était une théorie qui était révolue. Non, bah justement. Ce qui se passe, ça ne se plus rien à 18h45. J'ai emprunté ta théorie de 18h45, à savoir que l'Atlético va recevoir Feyenoord et ne va pas gagner. Pourquoi l'Atlético, la saison dernière, ils ont déjà fait cette dinguerie face à Bruges. Et là, ils vont affronter une équipe qui est quand même en confiance. Alors oui, ils sont quatrième, notamment en Eredivisie. Mais à côté de ça, ils ont gagné leur premier match face au Celtic sur le score de 2-0. Et même s'il n'y aura pas Santiago Jiménez qui est le buteur, il y a quand même des éléments qui sont capables justement de faire mal à l'Atlético pour faire au minimum match nul. Donc c'est pour cette raison que je vais sur une cote à 2-15, Feyenoord ou match nul. Bon, alors la première journée... le mardi, il y avait eu Young Boys Leipzig, pas de dinguerie puisque il y avait eu victoire de Leipzig. Milan Dortmund, Milan Newcastle 0-0, pas de dinguerie. Ensuite, il y avait eu Real Madrid Union Berlin, pas de dinguerie, victoire du Real Madrid 1-0. Ouais, enfin à la 95e minute, ensuite, ouais. Il y avait pas de dinguerie. Ouais. Il y a but à la 95e de l'Atlético, ouais. Ça passe pas ton truc. Hein. Galatasaray Copenhague de partout, pas de dinguerie. Aujourd'hui, en soi, c'est une dinguerie. Tu dois gagner contre Copenhague. Mais il n'y a pas eu de défaite, tu vois, c'est pas une dinguerie. Salzbourg, Real Sociedad, 2-0, pas de dinguerie. Et Braga, si Braga, c'est une dinguerie qui tape l'Union Berlin après le début de saison de l'Union Berlin. Voilà. Enfin, les gars, ils étaient menés 2-0 quand même. Ouais, bah d'accord, mais c'est pas une dinguerie, c'est pas Manchester qui est à Galatasaray, quoi. Braga, c'est pas un mastodonte européen non plus. Mais l'Union, c'est la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions de leur vie. Donc, la théorie de la dinguerie, j'attendais demain justement. C'est pas pertinent ce que tu dis, parce que la théorie de la dinguerie, c'est un match qui est déséquilibré sur le papier. La dinguerie, c'est bien ce que je dis. Non, la dinguerie. Je t'ai donné tous les matchs déséquilibrés. Union Berlin-Braga, c'est pas déséquilibré, c'est kiff-kiff. Mais c'est pour ça que je t'ai donné tous les matchs déséquilibrés. Et il y en a pas eu. Non, c'est pas des matchs qui font référence à des dingueries. Pour moi, la dinguerie, c'est une équipe. Dans les matchs déséquilibrés. Dans les matchs déséquilibrés, c'est Real Madrid, Union Berlin. Là, pour le coup. Leipzig, Young Boys, c'est un match déséquilibré ? Non. Leipzig, Young Boys, c'est pas un match déséquilibré ? Non, parce que les Young Boys, il y a deux saisons, ils ont été capables de battre Manchester United à la maison. On passe tout ce temps pour un pari qui passera pas. C'est possible. Real Madrid, Union Berlin, c'est un match déséquilibré ? C'est ce que je t'ai dit. Et qui a gagné ? Le Real Madrid. D'accord. Okay. Encore une fois, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah ouais, d'accord, ok. Et Salzbourg Sociedad, c'est un match déséquilibré ? Non, c'était pas déséquilibré. Ah, bon, d'accord, okay. Ah bah non, c'est rien n'est déséquilibré alors. Non, okay. La Real Sociedad, ça fait 9 ans qu'ils étaient pas en Ligue des Champions. Salzbourg, c'est un habitué de la Coupe d'Europe. Tu peux pas me dire que la Real Sociedad va à Salzbourg après un premier match où ils ont fait match nul et me dire qu'ils vont gagner tranquillement. Okay. Bon, Feyenoord ou nul, ça passera pas. Je le dis, ça passera vraiment pas. Ce qui passera, c'est ce que je vais proposer. Oui.
On en fait beaucoup sur cette poule de la mort du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est une poule relevée. C'est vrai que c'est une poule de, qui peut être compliquée si elle n'est pas abordée sérieusement. Mais le PSG est largement au-dessus de cette poule. Ça s'est vu contre Dortmund et ça va se voir demain contre Newcastle. Victoire du Paris Saint-Germain par 2 buts d'écart. C'est coté à 4,30. Si vous voulez aller dans les scores exacts, le 2-0 ou le 3-1 pour le Paris Saint-Germain, je trouve ça plutôt bien. Si je dois donner un scénario de match, le PSG mène 2-0 à la mi-temps. Après, il y a peut-être un but de Newcastle et ça finit à 3-1. Ou alors il y a 3-0. Ah ouais, toi, t'es cohérent parce que ou alors il y a 3-0 à la 65e. Mais tu vas sur une cote à 4. 4-30. 4-30 ah ouais. Le PSG par début d'écart, demain c'est facile. Ah ouais, franchement, Newcastle a été bon ce week-end, mais contre Burnley. Newcastle a des absents. Je pense à Tonali notamment, qui en plus fait pas un très très bon début City de saison. La semaine dernière. En cup, si t'as, t'as vu la équipe de Manchester City qu'il y avait. Donc non, c'est voilà, le PSG est en forme. Le match de Clermont était un épiphénomène. Était un épiphénomène. PSG par 2 buts d'écart, 4-30. Je trouve que, en fait, je trouve qu'une victoire du PSG par 2 buts d'écart face à Newcastle, ça vaut pas 4-30. Ça aurait été un 3-10, 3-15, j'aurais été un peu moins étonné et j'aurais pas foncé dessus. 4-30, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Voilà. Et en plus, et là où je dois me tromper, c'est que Samy est d'accord avec moi. Ah ouais. Non, non, parce que bah non, ouais. Demain soir, je vais regarder le match de manière très, très, très attentive. Mais pas de problème. Ouais, bah, regarde, de toute façon, tu seras déjà déprimé parce que Feyenoord ils ont pris une trempe. Donc il y a un moment. Samy. Oui. Alors, bah, je suis un peu dans ton style, mais donc oui, bon, victoire du Paris Saint-Germain, bien évidemment. Plus. Moi, je pense que c'est plus sûr. Moi, en tout cas, je pense que mon pronostic est plus sûr que le tien. Parce que oui, parce même avec la côté moins important, ça passe. Alors, c'est simple. Oui. Alors, oui. Non. Moi, personnellement, poule de la mort, je l'ai jamais pensé. Pour moi, c'est trois clubs. Poule relevée. Sont, poule de la mort, ça veut. Oui. En fait, ça veut non. Tout en dire. Fait, en fait. Alors, poule la plus relevée. Poule, tu peux poule le dire. Relevée sur le. La plus homogène dans le. Poule haut relevée. Niveau. Poule relevée sur le prestige des clubs engagés. Et encore Newcastle, j'ai un doute. Mais voilà, sur la qualité intrinsèque, pardon. Moi personnellement, Paris est largement au-dessus de ces trois équipes. Je pense qu'ils vont finir premier de poule. Je pense qu'ils vont montrer ce qu'est la Ligue des Champions aux Magpies. C'est pas les Almiron, les Joe Linton, les Gordon qui vont faire quoi que ce soit. Je pense. Je pense que demain vous pouvez avoir un travail d'archives. Alors, mais pas problème, à un moment donné, je pense qu'on est sur. Je pense qu'on est sur une semaine. Il y a quand même beaucoup de morts. Écoute, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher. On a un club qui est supérieur pour une fois de loin à un club de PL. Là, la Ligue 1 est en train de donner la leçon à la Première Ligue. Ah oui, après Lens, je pense que Paris va enchaîner. Non, deuxièmement. Et alors là, maintenant, je mets mon arme fatale. Kiki, ça fait deux matchs qu'il n'a pas marqué. Il a été critiqué cette semaine. Non, il n'est pas encore sur contre Newcastle, c'est bon. Il a eu le fait que. Il y a Batman qui est potentiellement absent. Contre, tu vois, c'était un élément. Il était passé par la Ligue 1, donc forcément de qualité. Mais pour être plus sérieux, Kiki, cette semaine, ça a été compliqué. Il y a eu le fait que voilà, il a été critiqué sur sa prestation à Clermont, à juste titre, sur certains aspects. Il a été critiqué aussi sur le fait de vouloir créer un mème après la victoire de Cédric Doumbé. Il y a eu plusieurs choses quand même contre lui. C'est dingue. Non, mais il a été pointé du doigt. Je suis désolé. Parce que c'est horrible cette façon de vouloir faire un mème. C'est juste que c'est marrant parce que en fait, la caméra, elle est pas sur lui au moment de le. Excuse-moi, le nombre de. Et donc il répète son geste, quoi. Voilà. C'est ça qui est marrant. Et bah oui, mais donc le nombre de tweets, c'était une critique. Ça s'appelle une critique, ça, Romain. Les gens où ils te disent, mais la critique était de faire et tout. Était-elle justifiée? Non, mais il était. Ça, je sais pas. Non, moi je pense pas. Ah non, tu sais jamais rien. Moi je pense pas. Non, moi je suis. Moi je suis un ange. Non, mais tu vois les critiques, mais tu sais pas si. Non, mais je trouve que voilà, il a été pris à partie quand même ces derniers jours. Entre sa prestation et ce qui s'était passé, notamment lors du combat, il était quand même au centre de l'actualité. Mais c'est pas, et sur pas le forcément. Quoi, c'est ça, non, mais je dis que voilà, c'est un homme qui sait justement rebondir. Il nous l'a montré à maintes reprises. Et quand on titille le Kiki, généralement, ça sent pas bon. Et récemment, j'ai revu aussi ses stats en Ligue des Champions, qui sont assez exceptionnelles. C'est une compétition qu'il apprécie énormément. Et alors moi, je pense que franchement, victoire du PSG avec un but ou plusieurs de Kylian Mbappé, c'est du tout cuit. Bon, très bien.
Tu l'as plombé. Ouais, en fait, plus il y va et plus il donne des arguments et plus. Non, mais c'est bien. Là, je me rapproche. Là, je suis en train de me dire dans un PSG. Il est sur la scène. Là, dans ma tête, je suis pas du tout. Mais toi, t'as parié. Feuille Nord. Dans ma tête, je suis pas bien. Dans ma tête, je suis pas bien parce qu'il faut. Il faut que le PSG. Dans ma tête, je suis pas bien parce qu'il faut que le PSG gagne par deux buts d'écart sans que Mbappé marque. Donc, je suis un peu. C'est un peu chiant. 1-0 Mbappé. Dans mon scénar, c'est un peu chiant. Donc voilà. On dit que c'était une critique marrante. C'est Brian qui nous dit ça. Mais oui, c'est marrant. Mais ça lui vient là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais c'est trop marrant de chier sur Mbappé tous les jours. C'est trop marrant. C'est trop marrant. 4-5 personnes sur les réseaux et tout. Il surjoue sa réaction, mais on n'a pas le droit de le dire. C'était des 30 000 retweets. Arrête un peu. 30 000 retweets. Arrête. Ouais, ouais, sur ça, sur des trucs comme ça, je te les enverrai ce soir. Mais c'est marrant. Mais chions sur notre phénomène. Bien sûr, c'est drôle. Mais c'est drôle. Après Roten, Mbappé, il a notre avocat. Mais non, non, non. Roten, c'est rien à côté. C'est rien du tout. C'est rien à côté de ça. Parce que lui considère que Mbappé, c'est la 8e merveille de l'humanité. Non, non, non. Non, moi, je reconnais la qualité de notre champion français. C'est tout. C'est pas désolé de reconnaître la qualité de notre champion français. On a un phénomène chez nous. Oui, un phénomène. De seulement 24 ans qui. Mais t'es pas obligé de dire bon, que c'est un phénomène voilà. quand il célèbre Cédric Doumbé, alors que c'est 10 secondes après. Moi, je m'en fous. C'est pas un phénomène. Je m'en fous qu'il le fasse. Je vais pas titiller sur ça. Je m'en fous. Pourquoi t'en parles? Moi, je veux qu'il marque contre Newcastle et puis voilà quoi. Puis c'est réglé. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir. Qui marque comme contre Dortmund. Ah non, ah merde, il a pas marqué contre Dortmund. Moi. Bon, on va bien rigoler demain soir. Comment ça, j'espère, pas marqué contre Dortmund? Il est marqué contre Dortmund. Ah oui, le pénalty. Pénou, ah oui, le pénalty. J'ai oublié, c'est vrai. Allez, on va terminer là-dessus. Il m'envoie, que je vous montre, hein. Faites-moi un zoom là-dessus. Mon Red Chef m'envoie des messages en majuscules pour dire que c'est trop long. Non, mais ça, on le voit les majuscules. Il a bien raison. Ouais, non, il est complètement starbé. Juste aller dormir. Complètement starbé. J'aimerais remercier justement Antoine Le Breton. Merci Antoine. À la rédaction chef de cette émission. Merci à Maxence Venot qui était à l'édition et au réseau. Merci à Arthur Majoli, technique et réal, parce que nous, sans la technique et la réal, on ne peut rien. Merci Dominique. Merci Samy. Sûrement. Merci Elton. Merci à tous les socios qui étaient avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ceux qui sont encore là. On a un ratio de pouces bleus par rapport au nombre de gens présents qui est hyper intéressant et hyper important. Donc n'hésitez pas à le faire. Ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch aussi et tous ceux qui nous ont écoutés en podcast qui ont dû réguler parfois le son parce que Samy s'est créé des débats tout seul comme sur Eli Wahi. On était tous d'accord mais il s'est créé un débat, c'est comme ça qu'on l'aime. Merci à tous d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter une très très belle nuit, matinée pour ceux qui nous écoutent en podcast et rendez-vous demain pour un autre débrief d'une soirée de Ligue des Champions dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.